Oui, bonjour, Jean-Philippe Audonneau, je suis consultant avant IBM sur les offres analytiques du IBM et plus particulièrement sur Planning Analytics. Et bonjour, Pascal Delval, la même fonction que Jean-Philippe, mais plutôt orienté sur la partie business intelligence. Parfait. Merci à tous les deux. Donc, je vais laisser Jean-Philippe nous présenter le premier sujet, la première thématique. Qui va nous permettre de voir un petit peu ce qui est arrivé à TM1 et ce qu'est IBM Planning Analytics aujourd'hui, en 2018. Très bien, alors il est arrivé plein de bonnes choses à TM1, on va le voir par la suite. Je vous propose de démarrer par un repositionnement de l'offre, hein, déjà pour bien préciser que Planning Analytics, c'est TM1. Ça, c'est un élément qui est toujours très important à préciser. Donc, par le terme Planning Analytics, en fait, on appelle Planning Analytics en fait un ensemble de composants de la plateforme, de nouveaux composants, en fait, mais le moteur, hein, est bien TM1, alors qui a fortement évolué. J'ai quelques slides, en fait, sur cette partie TM1 sur l'évolution du moteur, un petit peu plus technique, mais néanmoins il y a pas mal d'apports fonctionnels aussi qui sont apparus, et Planning Analytics va couvrir en fait de nouveaux éléments. Alors, pour démarrer, l'idée en fait de pourquoi Planning Analytics, hein? Planning Analytics, c'est plusieurs idées. La première, c'est la prise en compte du terrain du cloud. Ça, c'est un élément qui est important. Donc Planning Analytics, c'est une offre qui s'appuie sur TM1, mais qui est quand même née dans le cloud. Hein. Donc les premières versions de Planning Analytics sont nées dans le cloud et sont aujourd'hui bien entendu présentes à la fois en mode cloud et en mode on-premise, c'est-à-dire en mode local. L'idée aussi dans cette refonte, dans cet enrichissement en fait de l'offre, c'est aussi en fait de redonner encore plus la main à l'utilisateur en modernisant fortement en fait les interfaces, avec, on le verra, une nouvelle interface qui s'appelle Planning Analytics Workspace, hein, qui est vraiment une nouveauté par rapport aux versions précédentes, et puis aussi par un retravail de la DIN Excel qui est tout aussi importante que la DIN Web, qui s'appelle maintenant Planning Analytics for Excel. Donc c'est vraiment l'idée en fait de modernisation de l'interface, de prise en compte de la problématique cloud, puisqu'on a aujourd'hui pas mal de clients et de plus en plus de clients, y compris dans les fonctions financières, qui aujourd'hui choisissent le cloud pour déployer en fait leur solution. La mise à disposition de nouvelles interfaces. L'ouverture, hein, c'est le troisième point en fait de mon slide, l'ouverture aussi de la solution pour une plus grande intégration dans les systèmes opérationnels de l'entreprise, hein. Notamment, on a certains clients qui veulent personnaliser au maximum l'interface et vont pouvoir utiliser tout ce qui est API REST, donc vraiment une grande capacité de personnalisation de l'interface. Et puis c'est toujours aussi bien sûr de s'asseoir sur l'ensemble des offres, hein, donc Cognos Analytics, c'est parti, on verra par la suite, mais aussi toute la partie analyse prédictive, optimisation sous contrainte, etc., etc. Planning Analytics, donc disponible en mode cloud et en mode local chez vous, hein, ça c'est un élément qui est important. Alors la particularité, c'est que Planning Analytics est né en octobre 2015, hein, il s'appuie bien sûr sur le moteur TM1, donc c'est un produit qui a vécu pendant un moment uniquement en mode cloud, et puis qui depuis décembre 2016 a été maintenant rendu disponible également depuis maintenant, plus de 2 ans, on arrive à la deuxième année en mode local, sachant qu'aujourd'hui sont vraiment les deux mêmes produits, hein, qu'on soit même en mode cloud ou en mode local. Et vous avez en fait entre ces deux offres vraiment qui se suivent de très très près, hein, puisque quand vous avez des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles en mode cloud, elles sont disponibles 15 jours après, en général au maximum en mode local, donc vraiment un dynamisme entre ces deux variantes, on va dire, de l'offre Planning Analytics. Alors là, un petit peu d'anglais sur ce slide, mais il faut juste retenir en fait les trois grands points, les vraiment trois grands axes, hein, dans les nouveautés en fait de Planning Analytics. Le premier, c'est véritablement le point le plus important, ce qu'on appelle Planning Analytics Workspace, qui est vraiment la nouvelle interface de la solution, une interface très visuelle, très graphique, très interactive, un peu dans la même logique qu'on verra tout à l'heure avec Pascal sur la partie Cognos Analytics. Cette notion de self-service aussi qui est très 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 forte et qui va vous permettre d'aller encore plus loin en fait dans la mise à disposition d'informations auprès de vos utilisateurs. Et on verra avec une logique qui est à la fois très applicative, on peut vraiment créer des cockpits, des dashboards en visualisation, en saisie, en simulation. C'est vraiment aussi une interface qui joue tous les rôles, hein. On va pouvoir offrir autant des applications, des choses très packagées, très applicatives pour votre pilotage budgétaire. Problématiques de simulation d'élaboration budgétaire. Et on verra également qu'on va trouver de manière beaucoup plus renforcée, beaucoup plus moderne, en fait, un premier niveau de service, en fait, de
de visualisation, d'interactivité avec la donnée. Ça, c'est un élément important. Le deuxième point, c'est une nouvelle add in Excel qu'on appelle Plan Mimétique for Excel. Son objectif, pas forcément à court terme, mais aujourd'hui, vous pouvez l'expliquer tel quel, mais son objectif, c'est quand même de remplacer l'add in Excel que vous utilisez certainement, qui s'appelle Perspective, et qui offre quasiment les mêmes fonctionnalités hein, que Perspective, voire les mêmes fonctionnalités que Perspective, avec de nouvelles notions en termes qu'on appelle des rapports rapides et quick reports, ce genre de choses-là. Puis aussi, une problématique qu'on avait beaucoup avec Perspective, c'était des problématiques, alors pour être un peu technique, des problématiques réseau. On a quand même pas mal de clients qui, lorsqu'ils avaient besoin de déployer en mode distribué l'interface Perspective, sont souvent passés par la partie Citrix. Aujourd'hui, Planimatic à For Excel n'a plus cette problématique, puisqu'on peut, bien sûr, continuer à utiliser Citrix, mais on peut s'en passer puisqu'il y a un mode de communication entre l'utilisateur, entre son admin Excel et le serveur qui est beaucoup plus léger. Hein, c'est du protocole HTTP, donc ça permet aussi un déploiement plus rapide. On verra également que sur la partie, cette fois-ci, moteur, bien sûr, de grandes avancées hein, en termes de performance. Alors, pour être un peu technique, il y a du multithreading, il y a des choses comme ça qui permettent d'être beaucoup plus performant en termes d'exécution des requêtes, de montée en mémoire des tubes, etc. Une nouveauté très importante, c'est la notion de hiérarchie. Alors, la notion de hiérarchie n'existait pas vraiment dans TM1 jusqu'à présent. On pouvait simuler des notions de hiérarchie, c'est-à-dire dans une même dimension, avoir différentes hiérarchies sur une dimension produit avec des regroupements différents sur chaque hiérarchie. On pouvait toujours le faire, mais c'était le même objet. Aujourd'hui, on a vraiment une notion de hiérarchie dans TM1, qui est un objet en soi, et dans lequel on va pouvoir vraiment définir en fait ses propres propriétés. Chaque hiérarchie peut porter ses propres attributs, ses propres niveaux, de manière complètement indépendante les unes par rapport aux autres. Un élément également supplémentaire par rapport à cette notion de hiérarchie qui en a découlé, c'est la notion de hiérarchie d'attributs. Ça ouvre beaucoup de perspectives, puisqu'on peut, on peut toujours créer en fait des notions d'attributs dans les dimensions d'un cube TM1, hein, rajouter par exemple sur un produit en attributs des informations de type couleur, packaging, etc. L'idée aujourd'hui, c'est de dire que ces informations de type attribut n'étaient pas toujours facilement exploitables. On pouvait les utiliser pour faire des filtres, des choses comme ça, pour faire des calculs, bien entendu. L'idée, c'est de dire qu'on va permettre maintenant de créer ce qu'on appelle des hiérarchies d'attributs. Ces capacités à la volée, hein, sans aucun effort en fait, de développement, de modélisation, de pouvoir prendre les hiérarchies telles que vous les avez définies en fait dans TM1 et de pouvoir en fait les basculer en hiérarchie dans la dimension. Donc, si vous avez par exemple deux attributs couleur packaging par exemple sur un produit, on va pouvoir dire je vais créer dynamiquement, automatiquement, instantanément une hiérarchie couleur et une hiérarchie packaging par exemple en complément de ma hiérarchie principale qui serait ma hiérarchie produit. Et en plus, bien entendu, vous allez pouvoir manipuler ces hiérarchies, les croiser entre elles, c'est-à-dire croiser véritablement deux attributs entre eux, une hiérarchie d'attributs entre eux, ou croiser une hiérarchie, la hiérarchie principale, avec la hiérarchie d'attributs, hein, par exemple. Et donc, ça permet en fait d'avoir voilà, une utilisation beaucoup plus riche en fait, des attributs, pour vraiment pouvoir les utiliser pleinement. Ça va peut-être vous apporter aussi une manière de développer de manière plus nouvelle, peut-être plus efficace aussi. Ça oblige aussi à avoir peut-être à revoir ou tirer parti en fait de ces nouvelles spécificités qui sont pleines de bénéfices hein, puisque il n'y a vraiment aucun coût en fait en termes de volume, en termes de performance sur les cubes. Donc ça, c'est un élément qui est important. Alors, la logique hein, de ces nouvelles interfaces, c'est bien de vous simplifier la vie. Hein. On a tout un ensemble d'interfaces qui sont disponibles qui étaient disponibles dans ces mois. Alors, ces interfaces sont toujours disponibles. Hein, il faut que je le précise. Vous pouvez toujours utiliser Perspective. Vous pouvez toujours utiliser TM1Web. Elle reste dans l'interface disponible. Mais l'idée à terme, hein, le chemin, d'où le sens en fait de ces flèches, c'est bien que à terme. Alors, quand on dit à terme, hein, c'est d'ici quelques années, mais c'est que vous passiez en fait de Perspective à Pax. Si vous avez des problématiques réseau, ça peut être intéressant de passer plus rapidement. De tester plus rapidement dans Pax ou de voir quels éléments vous permettraient, vous semblent intéressants dans Pax. Et puis, du côté Workspace, la logique de Workspace, donc l'interface web, c'est vraiment en fait de pouvoir consolider tous les services qu'on connaissait avant avec TM1 application, TM1 web, etc. Workspace va non seulement couvrir ces domaines fonctionnels,
mais en plus, vous allez voir, va apporter en soi une forte interactivité, des représentations graphiques innovantes, un ensemble de fonctionnalités qui sont très intéressantes, nous sont peut-être services aussi qui sont très forts en fait dans la partie WordPress. Pour faire un focus sur la partie planning analytique WordPress, je ne vais pas passer trop de temps parce que je vais vous montrer aussi l'interface. Hein. L'objectif de planning analytique WordPress, c'est d'aller bien plus loin que ce qu'on connaissait en fait avec TN1 Web pour ceux qui l'ont utilisé. C'est vraiment de vous permettre de créer vraiment des vrais espaces applicatifs, une vraie logique applicative. Hein. C'est des interfaces, une interface dans laquelle on va pouvoir avoir plusieurs onglets. Sur chaque onglet, on va pouvoir déposer différents contenus. Comme vous voyez ici, on peut avoir différents graphiques, différents tableaux. On peut avoir un menu, on peut passer d'un onglet à l'autre très facilement avec des clics de souris. Et on retrouve ensuite toute la logique en fait, de TM1 en termes de simulation, de répartition, de consolidation, etc. Donc de saisie de commentaires. Après, on retrouve bien entendu toutes les fonctionnalités de simulation et de saisie que vous connaissiez. Mais en plus, on va y rajouter en fait tout un ensemble de dynamisme, de graphiques modernes, d'interactivité. Que vous êtes en droit d'attendre de la solution. Donc, on peut synchroniser les objets, on est très interactif. Il y a une notion de langage naturel aussi qui est disponible. On peut taper des mots-clés et avoir des graphiques qui se créent automatiquement dans l'interface. On a également la possibilité de mettre en raccourci ce qu'on crée pour pouvoir le réutiliser plus tard. Des écrans multi-onglets. Une notion aussi de collaboratif. Hein. On peut avoir une notion de chat qu'on verra par la suite qui permet éventuellement de chatter, de discuter sur un workspace, hein, qu'on appelle un book ou un livre en version française. Voilà, donc c'est toute la logique de Workspace. Et bien sûr, dans Workspace, on va pouvoir accueillir tout ce qui a été développé, comme on faisait avec TM1 Web, tout ce qui a été développé au format Excel. Tout ce que vous créez avec Pack, même avec Perspective. Hein, tout ce que vous avez créé avec Perspective, vous pouvez aussi les publier, en fait, le publier en fait dans la partie Workspace et en faire un objet. Donc, je peux avoir dans mon interface à la fois des graphiques, des tableaux, et un autre tableau qui serait issu d'une création d'un développement en fait sous Perspective ou sous PAX, Planning Analytics for Excel. Voilà, c'est vraiment la proposition de valeur de Planning Analytics WordPress. Sur Planning Analytics for Excel, l'objectif, alors peut-être il y a eu un passage par une interface qui s'appelait Café, qui était héritée de Commons BI, qui était assez rapide, avec Perspective qui était toujours bien sûr présent. Donc tout a été regroupé en fait dans la ligne Planning Analytics for Excel, qui regroupe à la fois des fonctionnalités de Perspective et puis pour ceux qui ont utilisé Café, comme ça, Analytics for Excel, qui regroupe aussi ces fonctionnalités-là avec de nouveaux types de rapports, les Quick Reports, vous montrerai le support bien sûr des hiérarchies, c'est très important, hein, tout ce dont je vous ai parlé précédemment sur le côté moteur, on va pouvoir bien sûr tirer parti des dimensions avec de multiples hiérarchies sur les attributs, les croisées. Que ce soit pour l'analyse, la simulation, etc. Et bien sûr, tout ce qu'on développe en fait dans Planning Analytics for Excel peut être ensuite déployé soit en mode Excel, hein, on peut sauvegarder son écran, son développement Excel, le déployer sur le serveur et le consommer de manière sécurisée avec un ensemble d'utilisateurs qui le consommerait sur la ligne Planning Analytics for Excel. Mais on peut aussi ensuite, instantanément, le déployer, le consommer, en fait sur Planning Analytics for Excel. Et bien entendu, pour les problématiques de continuité de service, bien sûr, on peut toujours, pour ceux qui l'utilisent, consommer ce qu'on a créé sur TM1 Web. Ça, c'est évidemment un élément important et un devoir de supporter l'ensemble des outils au fur et à mesure des années, même si on met plus l'accent hein, sur des nouvelles interfaces. Voilà. Pour encore une fois, je vais vous Jean-Philippe, montrer la. juste une petite précision. On t'entend un petit peu moins depuis quelques secondes. Donc, je ne sais pas Très bien. s'il y a eu. Voilà, mais rapproche-toi du micro. D'accord, monsieur. Désolé. Merci. Donc là, je me rapproche en fait du micro. Et donc, Planning Analytics for Excel, vous retrouvez ici l'interface. Donc, on retrouve la capacité à pouvoir, on retrouve la notion, vous voyez, d'Actiform qu'on connaissait dans Perspective, la notion d'exploration. On trouvera la partie Quick Report, qui est une nouvelle typologie de rapport extrêmement rapide à mettre en œuvre. La notion de bouton d'action, hein, on retrouve la capacité à pouvoir lancer des traitements, turbo-intégrateurs par exemple, donc c'est lancer des actions, hein, donc on va récupérer ce que vous avez fait. Une notion sur la droite en fait de tous vos différents cubes de votre instance, hein, une vision multi-cube. Et puis ensuite, bien sûr, toutes les manipulations, on retrouve les fonctions DBR, etc., tout ce que vous connaissez en manipulation. On va pouvoir récupérer en fait ce
que vous avez développé sous perspective dans Planning Analytics for Excel. On va pouvoir aussi migrer, alors là il y aura bien une action de migration hein, de vos boutons d'action, faites un bouton d'action Planning Analytics for Excel. Donc là il y a une petite étape de migration qui est intégrée hein, dans l'interface hein, pour pouvoir migrer les éléments. Il y aura certainement une étape hein, d'estimation un petit peu de la charge. Il peut y avoir des petits écarts entre les versions Excel. Je mentirais si je vous disais que tout va passer de manière transparente dans une interface dans l'autre, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont récupérées d'une interface à l'autre. J'aurais certainement des questions, j'imagine, sur le sujet. Également, un élément qui est très intéressant dans la démarche, il y a vraiment des éléments qui sont communs entre Planning Analytics for Excel et Planning Analytics Workspace, hein, notamment toutes ces manipulations des dimensions. Donc là, vous voyez dans l'écran, en fait, où vous avez en fait un éditeur en fait de dimensions qui est apparu, et vous avez en fait capacité à pouvoir sélectionner des membres, des sous-ensembles, hein, comme on les connaît, pouvoir choisir l'alias, etc. Et ces interfaces, hein, ces petites fenêtres, sont disponibles à la fois, sont les mêmes, et disponibles et les mêmes surtout entre Planning Analytics for Excel et Planning Analytics Workspace, parce qu'il est assez confortable hein, de passer d'une interface à l'autre et de retrouver en fait des points communs entre ces différentes interfaces. Voilà, on retrouve ensuite toutes les capacités de Planning Analytics for Excel, à la fois la partie exploratoire hein, qu'on connaissait aussi dans Perspective, elle est très bien faite, on le verra dans la partie PACS, et puis des typologies de rapports nouveaux, donc les Quick Reports qui sont des nouveaux typologies de rapports extrêmement rapides de la mise en œuvre, les Custom Reports donc, qui sont plutôt des rapports qui vont utiliser les fonctions natives des BRW que l'on connaît dans Perspective. Et tout ce qui est dynamique rapport, les actifs formes, etc., qui sont bien sûr tout aussi disponibles. Alors, quelques exemples de manipulation, mais ça je vous le montrerai, en fait, le fait de pouvoir facilement en fait explorer et exploiter vos données, et exploiter notamment tout ce qui est hiérarchie d'attributs, les différentes notions de hiérarchie, qui vont être aussi disponibles autant dans la partie web avec Planning Analytics Workspace que dans la partie Excel. Alors, ce qui est également intéressant en termes de finalement de direction, de roadmap, c'est aussi la volonté qu'ont les laboratoires IBM, notamment dans la partie Planning Analytics Workspace, non seulement d'offrir à vos utilisateurs et à vous-même bien sûr des interfaces qui permettent de faire des choses beaucoup plus riches, beaucoup plus interactives, et on est plus en web dans une logique finalement applicative, où on va vraiment pouvoir préparer des choses très très avancées et très très simples d'utilisation. Un côté, je vous montrerai quelques services où on peut faire de l'exploration très simplement dans la partie web workspace, mais également, et c'est l'objectif de cet écran, c'est toute la partie modélisation. On voit qu'il y a une volonté en fait de déplacer en fait les interfaces, les clients lourds qui permettent de construire vos modèles en fait économiques, hein, avec Architect, avec Performance Modeler pour ceux qui les ont utilisés, de pouvoir de plus en plus aller sur une seule interface. Donc simplifier au maximum en fait le nombre d'interfaces et n'avoir plus qu'une seule interface qui fait à la fois la partie consommation, la partie saisie, simulation, etc. Quelque chose de très dynamique, très interactif, mais aussi une interface qui apporte des capacités de modélisation. Et dans la dernière version en fait de Planning Analytics Workspace, qui est la 2.0.4, vous pouvez, comme vous le voyez ici, en fait éditer des dimensions, les créer. Éditer les attributs, créer des attributs, modifier les attributs, modifier la dimension, copier-coller des nouvelles valeurs dans les dimensions. Vous pouvez aussi gérer, on ne le voit pas ici, mais vous pouvez gérer avec le petit cadenas qui apparaît ici, gérer en fait la sécurité. Vous avez accès directement à la sécurité. Vous pouvez aussi prendre ces dimensions, créer dynamiquement des cubes. Vous avez accès aux règles également que vous pouvez modifier. Et vous avez également accès à la capacité de créer en fait tout ce qui est processus turbo-intégrateur directement dans l'interface web. Alors, avec encore quelques limitations, hein, l'interface web n'est pas complètement disponible pour une modélisation complète de A à Z. Néanmoins, ça peut vous permettre très facilement, très rapidement, de manière très agile, de pouvoir opérer en fait un certain nombre de tâches de modélisation directement dans l'interface web, ou pourquoi pas ben, de la déléguer à d'autres utilisateurs. Je pense à la partie sécurité par exemple, ou le fait de pouvoir créer dynamiquement une nouvelle hiérarchie. Par exemple, vous avez une dimension organisation, vous voulez créer une nouvelle hiérarchie pour simuler une réorganisation, ça vous pouvez le faire directement dans l'interface web. Donc là, on voit aussi que cette volonté d'homogénéisation et de simplification des interfaces, elle est aussi vraie pour les interfaces d'administration.
Pas forcément à court terme, bien entendu, mais on voit qu'à moyen long terme, on va avoir plus qu'une seule interface qui s'appellera Planning Analytics Workspace, qui va fédérer à la fois la capacité de restituer l'information ou de créer des masques de saisie de simulation et également de pouvoir effectuer des modélisations. Ça, c'est vraiment l'idée, la vision aussi de comment va, où va évoluer finalement Planning Analytics Workspace et la solution dans son ensemble. Donc, l'hiérarchie, on a déjà parlé, je ne vais peut-être pas revenir dessus. Si ce n'est qu'en effet, il n'y a vraiment que des bénéfices à utiliser l'hiérarchie de dimensions, d'attributs, pardon, puisque ça n'a vraiment aucun coût sur votre modèle, le modèle que vous avez développé. Donc, vous avez des attributs, vous les allez les exploiter. Vous pouvez, en deux clics, en fait, basculer vos hiérarchies, vos attributs en hiérarchie avec aucun impact sur la consommation, sur le serveur. Donc, il n'y a vraiment que du bénéfice à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Et c'est vrai que c'est peut-être maintenant quelque chose à prendre en compte sur les nouveaux développements ou l'évolution de vos modèles. Voilà. Quelques mots sur la partie serveur. Alors, c'est un petit peu plus technique, mais voilà. Est apparu, alors un peu plus en anglais aussi, mais est apparu aussi toute la partie, un utilitaire de débogage pour ceux qui font du développement turbo intégrateur. Je vous montrerai un exemple pour déboguer vos traitements. Avec toute la partie multilangue aussi, et la gestion de la partie multilangue a été modifiée et vous avez des pubs en fait qui sont dédiées. C'est très très bien fait avec des chargements de masse. Bon, après peut-être aussi un petit peu vraiment dans le détail toute la partie en fait toutes les vues qui sont créées en MDX maintenant peuvent être consommées dans Turbo Intégrateur. Il y a eu aussi un gros travail sur éviter tout ce qui est verrouillage des dimensions quand on fait de l'administration, etc., pour pas que les utilisateurs de l'autre côté soit bloqué. Donc ça, c'est très intéressant côté utilisateur pour assurer une continuité de service, hein, ne pas empêcher mes utilisateurs de faire leur saisie, de faire leur analyse alors que je suis en train de faire de la modification des dimensions, de la réorganisation. La partie basse, en fait, multithreading, on est vraiment en fait sur la partie optimisation. Donc c'est beaucoup plus de puissance. Voilà, on travaille vraiment sur la performance. Ça, c'est un élément très important de la plateforme pour vous permettre vraiment de faire des budgets le plus détaillé possible si nécessaire. La hiérarchie, toute la partie hiérarchie, on en a parlé. Et puis également, vous me direz si vous l'utilisez peut-être dans la partie questions-réponses, mais toute la partie sandbox, toute la partie bac à sable, en fait, vous pouvez depuis longtemps créer des bacs à sable, hein, des versions locales pour faire éventuellement vos simulations en local et puis fournir une version spécifique. Depuis, en fait, la version Planning Analytics 2.0.2, en fait, vous pouvez maintenant activer une option pour comparer ces bacs à sable. Et donc, le bac à sable se transforme en une dimension, hein, comme si c'était une dimension partie prenante de vos cubes. Et vous pouvez ensuite comparer, comme vous pouvez comparer des versions des phases, là, vous pouvez comparer en fait des versions de bac à sable. Voilà, une copie d'écran de la partie débogage, on en verra les slides certainement. La partie TM1 Web qui connaît aussi des améliorations, j'ai passé rapidement. Voilà, alors, l'interface a été retravaillée, même si aujourd'hui, bon, j'espère que j'arriverai à vous convaincre sur le fait que Planning Analytics Workspace répond, satisfait à beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins. Mais néanmoins, pour les clients qui l'utilisent, on a retravaillé un petit peu l'interface, on l'a rendu plus moderne. Compatibilité avec tout ce qui est tablette, accès aux données relationnelles, on supporte certains contrôles à ActiveX en fait d'Excel, le format conditionnel, la meilleure gestion des chaînes de caractères. Les quick reports, on verra. La partie TM1 supporte les quick reports, en fait, qui est une nouveauté de Planning Analytics for Excel, hein, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est des nouveautés. Il y a des améliorations qui sont apportées, bien entendu, à la partie TM1 Web, avant tout au moteur. Vous comprendrez bien qu'après, la logique, en fait, hein, la direction de la plateforme, c'est quand même de porter tous ces efforts sur la partie principalement Planning Analytics Workspace et Planning Analytics for Excel. Donc, c'est vrai qu'il y a un encouragement en tout cas à porter finalement ce que vous avez créé dans Perspective, sans urgence, hein, parce qu'encore une fois, c'est supporté, mais en tout cas de porter vos développements en Perspective, de la dynamique de Perspective dans Planning Analytics for Excel pour être sûr de pouvoir bénéficier en fait de toutes les évolutions de notre solution avec en tout cas une grande compatibilité entre ces deux add-ins. Donc, vraiment, voilà. Un grand bénéfice, en tout cas, on l'espère, à passer d'un environnement à un autre. Alors, je vous propose de vous montrer les différentes interfaces. Pour ce faire, je vais me connecter
à mon environnement, ma plateforme de démo, hein, qui elle-même est une plateforme cloud européenne, sur lequel en fait je me suis déjà connecté, qui est donc Planianetic Workspace. Donc là, vous avez l'environnement Planianetic Workspace. Planianetic Workspace, c'est à la fois ces notions de dashboard, d'écran applicatif moderne, etc., mais c'est aussi un environnement de travail dans lequel on va pouvoir partager un certain nombre d'informations, partager un certain nombre d'applications de manière complètement sécurisée. Donc, dans Planianetic Workspace, vous retrouvez en fait un espace partagé, un espace personnel. Personnel, c'est-à-dire un espace dans lequel vous pouvez sauvegarder vos propres applications et ne sont vues que par vous-même. Il y a un espace partagé qui est disponible à un ensemble d'utilisateurs, moyennement bien sûr des droits adéquats. Est-ce que je peux voir une application, ne pas la voir, la modifier, ne pas la modifier, etc., etc. Une application est composée en fait d'un dossier ou de plusieurs dossiers, hein, assez classiquement, accessible ou pas à un certain nombre d'utilisateurs. Et dans chaque dossier, vous allez trouver ce qu'on appelle des livres. Un livre, c'est quoi? C'est un écran de type dashboard ou de type écran de saisie dans lequel j'ai un certain nombre de contenus sur lequel je peux interagir. Donc, l'idée ici, c'est de vous montrer quelques exemples en fait de manipulation dans Planianetic Workspace. Voilà, un petit peu l'idée de ce que ça peut donner au travers de cette interface. J'ai commencé. Là, on est sur un exemple qu'on appelle SmartCore, hein, qui est un petit exemple, petite application d'élaboration budgétaire donc, on retrouve, dans laquelle on va retrouver un certain nombre de fonctionnalités, à la fois d'administration centrale par le contrôleur de gestion centrale, et puis en même temps, capacité à saisir sur différents éléments de mon compte de résultats, sur la partie frais généraux, sur la partie marge, etc., puis des fonctionnalités de reporting. Donc, si je commence par l'aspect central, je vais pouvoir ouvrir un premier livre qui contient en fait un certain nombre d'informations, qui en l'occurrence est plutôt uniquement disponible pour mon contrôleur de gestion centrale, qui est ici Monsieur Mounio, qui a à sa disposition un certain nombre de fonctionnalités, donc, qui vont lui permettre de piloter, d'administrer fonctionnellement son application. Donc on va retrouver dans cette proposition, bien sûr, là, tout est à créer à façon. On va retrouver ici un certain nombre de contenus, à savoir ici par exemple un espace dans lequel je vais pouvoir contrôler le bon apport de mes référentiels de mon réalisé. Hein. On pourrait tout à fait imaginer un bouton qui me permettrait de relancer mes différents traitements. On va retrouver ensuite toute la partie workflow, hein, parce que j'ai mis en place une navette budgétaire, un workflow en fait dans mon application d'élaboration budgétaire. Et je peux voir en fait qui a saisi, qui est en cours de saisie, qui n'a pas commencé, etc. Le graphique que vous voyez ici, la cartographie, ça fait partie des nouveaux graphiques en fait de Planianetic Workspace, donc voilà, de l'innovation sur la représentation graphique. Et puis ici, j'ai en temps réel une vision consolidée des différents éléments en fait de mon compte de résultats. L'idée également ici, c'est de permettre à mon contrôleur de gestion, M. Mounio, de pousser un certain nombre d'hypothèses auprès de ses utilisateurs, donc notamment de cadrer sur des objectifs ou des différentes filiales. Donc, on peut très facilement rentrer en fait dans un élément. Donc, en cliquant ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'écran que vous voyez ici, en fait, c'est un écran qui est multi-onglet. On a simplement décidé de masquer les onglets et d'offrir une navigation par clic en fait de souris. Donc, je vais simplement cliquer sur le cadrage et je vais basculer en fait sur mon écran, mon onglet en fait de cadrage. Si je clique ici, voilà, je reviens en fait sur l'écran principal tout simplement. C'est l'idée en fait. C'est comme ça qui a été designé. On peut vraiment faire ce que l'on souhaite. On va pouvoir dans cet écran également bénéficier de la capacité de pouvoir sélectionner ces années. Là, je vais saisir sur mon budget. Ça pourrait être un estimé 1, un estimé 2, un classique classiquement. On va pouvoir également pouvoir sélectionner toute la partie organisation, pouvoir se positionner sur l'Europe, sur l'Italie, etc. On retrouve ensuite toute la capacité de naviguer dans sa dimension avec l'éditeur de dimension. On y reviendra un petit peu plus tard. Et ensuite, on va retrouver ici toutes les capacités de simulation telles que vous les connaissez. Donc, je ne vais pas refaire une démonstration témoin, vous les connaissez bien, juste pour vous montrer qu'elles existent toujours bien sûr dans la solution. Donc, on peut toujours bien sûr saisir en fait un certain nombre d'informations, donc soit avec des raccourcis claviers. Là, je viens de saisir en fait, ça va un peu vite. Alors, je vais mettre par contre sur hop, une version bac à sable. Voilà. Donc là, je peux toujours continuer en fait à saisir en fait des montants à un niveau en fait agrégé. Je peux toujours continuer en fait à verrouiller en fait mes données. Je peux continuer aussi à faire du spreading. Donc là, en fait, vous retrouvez toutes les fonctionnalités, hein, on n'en perd pas, vous retrouvez toutes les fonctionnalités en fait que vous connaissez avec TM1, à savoir de la saisie directe, des fonctions de répartition, le fait aussi bien sûr de pouvoir verrouiller mes saisies, hein, mes montants globaux, et puis ensuite de pouvoir dire, tiens, une fois que j'ai verrouillé
ce montant global, je vais pouvoir en fait descendre à un niveau plus fin pour aller modifier en fait l'objectif de l'Italie tout en conservant en fait un objectif global qui était par exemple à 200 millions, à 300 millions et qui va automatiquement répartir le montant sur les différents éléments. Donc ça, en fait, on retrouve l'ensemble des fonctionnalités que vous connaissez. Vous l'avez vu, hein, la notion de bac à sable existe, bien sûr, on peut créer directement et ça, on reprend nativement en fait tous les bac à sable qui ont été mis en œuvre et on peut créer de nouveaux bac à sable, valider, etc. C'est très, très simple. Ce qui est vraiment intéressant dans cet écran Workspace, c'est de pouvoir aussi intégrer d'autres éléments qualitatifs. Par exemple, ici, on y a intégré un bouton qui permet d'intégrer des documents de type net de cadrage. Donc, en cliquant sur ce bouton, là, on a simplement voulu illustrer la capacité de la solution à pousser auprès de vos utilisateurs, en fait, un certain nombre d'informations ou d'instructions dans la saisie, en fait, de leurs données. Donc, voilà, ça, c'est fait partie d'éléments importants qui peuvent venir enrichir. Donc, à la fois, fournir une interface beaucoup plus riche, beaucoup plus complète et quelque part beaucoup plus simple, ça c'est important, simple d'utilisation, donc aussi faciliter la vie des utilisateurs, des saisies aussi qui peuvent être complètement guidées, hein, puisqu'on va pouvoir voilà, cliquer sur un élément, basculer sur un autre, très simplement, donc suivre tout un cheminement dans l'interface. Hein, c'est vraiment un élément important. Pour vous montrer un autre exemple sur la partie choix généraux, ici, donc je rentre dans un nouveau livre, auquel j'aurai accès ou pas, mais bien sûr en fonction de mes droits. On voit qu'ici, on a intégré directement dans l'interface des instructions. Donc, on va pouvoir taper du texte, mettre des vidéos, mettre des logos. Là, on a mis une vidéo éventuellement si on le souhaite. Ici, sur la partie workflow, navette budgétaire, on peut mettre en place des boutons qui permettent à un utilisateur de démarrer sa saisie, donc de réserver la saisie sur son budget, de la libérer ou de la soumettre directement. Et puis ici, on a intégré également une notion de tâche. Donc, au sein de mon workflow, on va pouvoir pousser auprès de l'utilisateur, grâce à Workspace, en fait, un ensemble de sous-tâches qui devra arriver avec un échéancier. Et donc, ensuite, l'utilisateur peut bien sûr saisir des commentaires, hein, comme on le connaît avec Tienne. Et ensuite, il peut éventuellement cliquer ici pour démarrer la saisie et démarrer la saisie sur certains postes, tout ou partie des postes, en fait, du Tienne. À ce niveau-là, ce que je vais aussi illustrer, c'est le fait de pouvoir nous conserver une fonctionnalité importante qui est la partie accès au détail. Donc, on a quelque chose qu'on a activé. Donc, capacité, par exemple, au niveau du poste salaire, d'aller récupérer le détail de tout ce qui a été saisi ou pourquoi pas d'aller chercher le détail, en fait, le justificatif, finalement, d'une ligne budgétaire. Tout simplement. Puis ensuite, on va pouvoir démarrer la saisie donc, sur les différents éléments. Donc, par exemple, sur les charges locatives, ici, voilà, une présentation très, très interactive. On va pouvoir ici, mais c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire avec Témoin. De toute façon, par exemple, ici, prendre mes loyers avec un montant que j'ai saisi, je vais pouvoir les répartir par rapport à des clés de répartition prédéfinies. Donc, ça, éventuellement, il faut imaginer que c'est Monsieur Mounion, mon contrôleur de gestion centrale, qui met à disposition, Monsieur Mounion ou d'autres administrateurs d'ailleurs, hein, fonctionnels, qui met à disposition ces clés de répartition. Et qui va permettre aux utilisateurs, en fait, soit de les sélectionner, on peut imaginer tout à fait aussi qu'elles soient imposées. Donc, c'est quelque chose de très dynamique, on voit l'impact directement sur l'ensemble des différentes pratiques. Et on peut bien sûr imaginer, comme on pouvait le faire avant, hein, mais là, directement dans une seule interface, offrir capacité aux utilisateurs de pouvoir, ou certains utilisateurs en tout cas, de créer à la volée eux-mêmes leur propre clé de répartition, qui viendrait finalement enrichir la liste déroulante. Liste déroulante, bien sûr, qui peut être conditionnée en fonction du poste. Hein. On peut très bien avoir un sous-ensemble de clés qui apparaissent en fonction des éléments, si on est sur du loyer, sur du service, sur la map. Donc, je peux bien sûr ensuite revenir sur mon écran principal et passer comme ça d'un élément à l'autre sur mes détails d'investissement, par exemple à ce niveau-là. Voilà. Donc, il va éventuellement aussi saisir un certain nombre d'éléments. De dépenses avec des dates d'achat, de l'investissement, de mise en service, etc. Le rattacher à un code projet, etc. Et voir l'impact avec une durée de vie de l'activité, 12 mois dans mon exemple, et de voir l'impact sur les graphiques qui sont disponibles dans la plateforme. Dernier petit exemple sur la partie salaire et charges, où là, on retrouve en fait toute la logique de TM1 finalement avec un certain nombre d'hypothèses qui sont fournies encore une fois par mon contrôleur de gestion centrale ou par d'autres, et je vais pouvoir ensuite jouer, par exemple ici, sur mes ETP, sur ma masse salariale, pour aussi, par exemple, dire, voilà, je vais plutôt provisionner ce type de poste. Par rapport à ce type de poste, automatiquement, par rapport à mes hypothèses, ma grille de salaire, un salaire de référence
les remonter. Je peux éventuellement bah, le contrecarrer, hein, si je le dis, hein, par exemple, donc on va mettre 150K, etc. Idem, voilà. Et donc, là, on retrouve toute la mécanique, hein, toute la logique, toutes les règles de gestion qu'on peut mettre en place dans Tiamat qui sont pleinement exploitées en fait par Planning Analytics Workspace, hein, mais de manière beaucoup moins utile. Autour de cette plateforme, on va retrouver aussi tout un ensemble de fonctionnalités, toute la partie en fait, toute la partie en fait chat, discussion qui est disponible dans la plateforme. Donc on va pouvoir avoir des forums de discussion, donc discuter autour. Alors là, on discute autour d'un workspace, hein, c'est-à-dire d'un livre, hein, d'un dashboard. Donc on va pouvoir échanger en saisissant éventuellement des messages, en dialoguant, donc augmenter le côté collaboratif. Et vous pouvez aussi récupérer à tout moment tout ce que vous avez développé avec Planning Analytics Workspace, puisque vous pouvez l'exporter, alors le partager par mail, l'exporter dans différents formats. Donc vous avez maintenant des exports natifs sous forme d'images, de PDF ou de PowerPoint. Donc voilà, tout ce qu'on va pouvoir trouver autour de Planning Analytics Workspace. Et Planning Analytics Workspace, ce n'est pas que des écrans de saisie, de simulation, c'est aussi la capacité, là il y a un avancement plus fort par rapport à ce qu'on connaissait dans la partie web, des parties dashboarding interactives, puisqu'on va retrouver en fait dans Planning Analytics Workspace, capacité à créer des écrans qui sont plus orientés sur la restitution. Alors, c'est bien le même outil, hein, c'est bien la même interface, simplement la manière de créer l'écran qui en donne un côté plus restitution, plus exploration. Alors, ça va bien sûr pas aussi loin que la partie Cognos Analytics que va vous montrer Pascal, mais c'est déjà dans un périmètre, on va dire, financier, contrôle de gestion, là, quelque chose qui peut être complètement satisfaisant par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et puis, on retrouve aussi, bien sûr, capacité à intégrer dans Planning Analytics Workspace. Alors, je n'ai pas précisé, mais c'était déjà le cas dans certains écrans que je vous ai montrés. Mais ici, typiquement, ça, c'est quelque chose qui a été créé avec la DIN Excel et qui a été publié sur Workspace. Hein, donc, ça peut être du perspective. Hein. Là, c'est du Planning Analytics Workspace, mais ça peut être du perspective. Si vous le désirez, c'est complètement interactif, etc. Et bien entendu, dernier élément important de Planning Analytics Workspace, c'est finalement, est-ce que c'est compliqué de créer tout ça? C'est un élément quand même qui est très important. Et bien non, c'est très très simple, vous allez voir, parce que l'objectif aussi de Planning Analytics Workspace, c'est d'être très, très self-service. Donc le principe, en fait, pour créer, en fait, différentes interfaces, il est très simple. Si vous avez bien sûr les droits, hein, droits fonctionnels, vous allez pouvoir créer un nouveau livre. Puis dans ce livre, on va pouvoir venir déposer à partir de son instance Planning Analytics. Alors moi j'en ai beaucoup parce que c'est une plateforme européenne, différents pays qui sont sur cette plateforme, mais sur mon instance à moi qui est la région de France pour la France, je vais pouvoir accéder en fait à mon application avec un certain nombre de pubs auxquelles j'ai accès. Et je vais pouvoir, à partir de cela, utiliser, bien sûr, on retrouve toutes les vues, hein, que vous avez créées et qui sont existantes, qu'on va pouvoir récupérer, bien sûr, on ne perd rien, vues, sous-ensemble, etc. Et qui vont nous permettre très facilement de créer, en fait, un écran Planning Analytics Workspace. Je vais créer, en fait, glisser ma vue. Je vais bien sûr créer quelque chose de zéro, hein, je suis obligé de créer une vue existante. Et ensuite, je vais pouvoir, à la fois, préparer ma vue. Et là, c'est aussi, entre parenthèses, finalement, on est aussi dans un mode exploratoire, hein, on voit comment très facilement je vais pouvoir en fait glisser mes différents éléments. Je peux imbriquer mes années, mes mois très facilement. Je peux repositionner mes années en titre. Je peux filtrer ensuite sur différentes valeurs. Sur ma dimension mois, je vais pouvoir aussi retrouver tout un ensemble de tous les sous-ensembles que vous avez déjà créés en fait dans votre application TiMoine. De cette manière, de pouvoir bien sûr les sélectionner. On peut aussi en créer, hein, on peut l'appeler, et je peux très facilement éditer en fait ma dimension pour retrouver finalement ce que vous connaissez, de pouvoir en fait moi-même sélectionner les différents éléments qui m'intéressent, tout simplement. Pouvoir aussi, vous avez des fonctions de recherche qui sont très intéressantes, hein, pouvoir rechercher les éléments, recherche qui peut être complètement dynamique. Donc rechercher sur le nom, sur le niveau, sur l'attribut, etc. Là, on trouve toute la partie du milieu, etc. On trouve aussi capacité à enregistrer de nouveaux sous-ensembles. Voilà. Une fois que j'ai créé en fait ma vue, donc on est finalement ici assez facilement dans une vue exploratoire. D'ailleurs, ensuite, je vais pouvoir très facilement
prendre ces deux éléments, créer un calcul entre deux périodes, par exemple entre l'éditeur de calcul, faire un calcul de pourcentage. Donc je suis vraiment dans une manipulation très exploratoire de ma donnée. Alors ensuite, je vais pouvoir, pourquoi pas, j'ai fait un pourcentage, je peux très facilement faire aussi un autre calcul qui serait par exemple sur la partie, simplement un écart entre les deux valeurs. Sur cet élément-là, ensuite, je vais pouvoir mettre très facilement avec un clic droit un formatage conditionnel. Par exemple, tous les éléments qui sont inférieurs à, bien sûr, à 0, je vais pouvoir facilement les mettre en évidence. Là, on peut avoir plusieurs, on peut combiner plusieurs mises en forme conditionnelles, soit jouer sur le style de la cellule, sur le formatage du texte, ou alors, ce qui est très sympathique, c'est tout ce qui est icône. On peut combiner les trois éléments pour les appliquer sur la copie. C'est négatif dans mon cas. Tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir aussi très simplement dupliquer mes éléments. Donc, par exemple, je vais d'abord positionner en fait les périodes à ce niveau-là. Ensuite, je vais pouvoir prendre cet élément, le dupliquer, tout simplement. Cet élément-ci, je vais pouvoir ensuite le convertir en graphique. Ce qui est très intéressant avec Panini Equiforce, c'est qu'il va vous proposer, il va vous aider sur le meilleur graphique en fonction des données en fait qui sont affichées. C'est vraiment l'idée en fait à ce niveau-là, c'est vraiment de vous accompagner au maximum sur la représentation graphique. Et ensuite, éventuellement, cette barre-là, je vais la masquer. Et ensuite, je vais pouvoir offrir la capacité de filtrer sur l'organisation. Par exemple, ici, j'ai sorti la dimension organisation. Je vais pouvoir ensuite à nouveau masquer mon élément. Voilà. Et ensuite, on va retrouver capacité à pouvoir naviguer. Donc finalement, tous les écrans que vous avez vus préalablement sont des écrans qui sont créés de cette manière. On vit une vue, on explore la vue, on l'organise, on crée des calculs, etc. On la met en forme, mise en forme conditionnelle, on la duplique, on fait des graphiques. On peut avoir différentes vues de différents cubes. Là, je suis mon onglet, mais je peux facilement créer un nouveau onglet sur lequel je mettrai d'autres contenus. Je mets des filtres et ensuite, on a la capacité de rajouter du texte, des vidéos, des images, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde pour mettre à disposition de ses utilisateurs. Voilà. L'idée de Panini Equiforce, c'est à la fois d'offrir cette vision très applicative qu'on connaissait moins auparavant, donc une interface web qui est facile à déployer, moderne, très interactive. C'est aussi de vous offrir des capacités de self-service, hein, oui, qu'on peut très facilement glisser dessus puis naviguer dans ces données. Voilà, c'est aussi de pouvoir être très, très simple à utiliser. Et de pouvoir aussi très facilement déployer de nouvelles villes, de nouvelles applications en fait, auprès des utilisateurs, en retrouvant l'ensemble des fonctionnalités de témoins en termes de simulation, de capacité de simulation, de répartition, de commentaires sur les différents éléments en fait, de l'interface. Et une fois que j'ai fait ça, bien entendu, je peux sauvegarder. Voilà. J'essaie de ne pas m'éloigner trop du micro. Voilà, peut-être une dernière fonctionnalité que je trouve très bien. C'est la notion en fait de commande snap qui est très intéressante. Par exemple, si vous avez des grands référentiels avec beaucoup de déclinaisons de produits, vous pouvez par exemple dire voilà, alors moi je ne vais pas le faire sur des produits, mais par exemple, si je veux chercher quelque chose sur l'Italie, je vais taper un mot-clé Italie et automatiquement, alors là vous ne le voyez pas, mais en fait, ça m'a filtré en fait mes données sur l'Italie. Donc si par exemple je recommence et que je fais par exemple sur la France, automatiquement, j'ai tapé France et il est allé me filtrer parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, pardon, sur le terme de France. Il y avait des ambiguïtés, vous ferez la proposition de différentes valeurs. Donc, si vous avez des référentiels assez larges, vous pouvez très facilement en fait taper ces mots-clés, soit pour les filtrer, soit pour les trouver dans le croisement, etc. Donc là, on a vu globalement l'ensemble des fonctionnalités de Planning Analytics Workspace. Je vous propose, pour terminer la présentation, pas prendre trop de temps à Pascal, vous montrer rapidement en fait la BIM Excel. Vous allez voir que vous allez vous projeter assez facilement dans la BIM Excel. Donc j'ai déjà ouvert en fait Planning Analytics for Excel. On retrouve en fait la BIM qui est bien sûr installée sur les postes utilisateurs. Je me suis déjà authentifié sur cette partie, mais je suis resté connecté trop longtemps. Non, c'est bon, il m'a connecté. Donc on retrouve les capacités en fait d'exploration. Donc, alors, il faut bien sûr complètement ouvrir des applications existantes. Hein. Donc, je peux tout à fait me connecter sur mon instance et puis sur mon instance en fait aller chercher à les consommer en fait
une application Excel déjà existante. Et donc là, on retrouve la logique, hein, c'est complètement vrai, on peut toujours continuer à travailler comme ça, à avoir un usage intensif en fait de l'admin Excel, où finalement on privilégie un usage d'admin Excel. On peut complètement créer en fait, comme on le voit ici, en fait, des écrans qui sont complètement pris en charge par Excel, donc avec une page de garde dans Excel dans laquelle on va pouvoir venir cliquer pour naviguer en fait au travers de différents onglets dans les différentes interfaces. Ça, c'est complètement vrai, on peut toujours continuer à travailler comme ça. On a des clients d'ailleurs qui ne font que ça, un clone d'Excel. Ça, c'est toujours vrai. On a aussi d'autres capacités, bien entendu, qu'on connaissait avec Perspective. Toute l'aspect exploration qu'on a déjà entreaperçu sur la partie finalement WordPress, qu'on retrouve dans l'admin Excel. On va pouvoir soit travailler directement, on retrouve les vues, hein, qui sont bien sûr communes entre les différentes interfaces. Et puis, on peut aussi, comme dans la partie Workspace d'ailleurs, manipuler en fait ces dimensions, donc positionner par exemple son organisation en ligne, son les mois en colonne, filtrer bien sûr sur une année particulière. On retrouve en fait les différentes valeurs. On peut éditer le sous-ensemble. Vous voyez ici, si je ne suis pas passé trop rapidement, qu'on retrouve en fait la même interface, la même cosmétique, hein, de manipulation qu'on a sur la partie web. Donc on peut ensuite aller sélectionner notre ami tout simplement. Idem sur la partie ligne et colonne. On retrouve la capacité à pouvoir zoomer, à pouvoir soit faire des calculs directement dans l'interface avec des calculs qui sont prêts à mise à disposition, soit on peut aussi insérer des colonnes à vide pour dire, bah, plutôt, je vais faire mon calcul directement dans Excel. Donc, plutôt un mixte finalement de ce qu'on a entre les capacités de témoin, la sécurité et ce qu'on va pouvoir faire avec finalement la partie Excel. Donc là, on trouve, je vais mettre 10%. Tac. Ensuite, je rafraîchis. Et puis, on fait un format après, etc. Et ensuite, on peut vraiment manipuler ces données. Donc, ça, c'est toute la partie exploration. Je pense que vous pouvez vous y projeter assez facilement. Vous me direz peut-être à la fin. On trouve la notion de bac à sable. Donc, on trouve toutes les notions. Et ensuite, on va retrouver toute la de nouveaux formats, notamment tout ce qui est. Alors, les rapports rapides, c'est vraiment des rapports extrêmement efficaces en termes de création. On peut les créer de zéro ou basculer d'un mode à l'autre. Donc là, soit je peux basculer une vue d'exploration en rapport rapide dans une nouvelle feuille, par exemple. Et là, l'idée du mode finalement rapport rapide, c'est un mode en fait ni exploration ni reporting où il n'y a pas de fonction. On est vraiment dans une notion en fait où il n'y a pas de fonction. Par contre, c'est extrêmement efficace, hein, puisque vous pouvez très bien dire, voilà, le client, je le remplace, etc. Les données sont mises à jour, se mettent à jour, etc. Donc, vous êtes contraint en fait finalement par le croisement et ce que vous avez mis en filtre, mais vous pouvez complètement changer, venir enrichir. Là, je peux répéter par exemple le 200, etc. Tout se remet à jour automatiquement. Donc, c'est une manière très productive, on va dire en quelque sorte, pour créer en fait un reporting en simulation, en saisie ou en restitution. Et puis, bien entendu, vous retrouvez toute la partie rapport avancé. Avec, que vous connaissez certainement très très bien, tout ce qui est fonction DBRW, tout simplement avec les sublémèmes. Comme ça, on retrouve et j'espère que ça peut vous rassurer sur le fait de pouvoir récupérer en fait tout ce que vous avez créé dans vos versions perspectives avec finalement la ligne analytique for Excel. Et puis bien entendu, on peut republier tout ce qu'on a créé en centrale sur le serveur, soit pour une pure consommation Excel, soit pour venir ensuite reconsommer. Et redéployer en fait cet écran Excel dans Planning Analytics Workspace, ou TMWeb, bien sûr, si vous souhaitez continuer à travailler dans TMWeb. Voilà. On a fait une vue d'ensemble finalement des capacités de Planning Analytics Workspace avec différentes ergonomies. J'espère qu'ils vous auront éclairé sur les capacités, ce que vous pouvez avoir droit d'attendre finalement de notre interface en termes d'ergonomie, d'interactivité, de self-service. Et d'administration, et puis également la partie Excel qui finalement voilà, est proche de Perspective avec une interface plus moderne. La partie en fait également Quick Report qui peut être intéressante dans une démarche en fait de productivité. Voilà. Je reste bien sûr à votre disposition pour la partie questions-réponses, et je vais passer maintenant la main à mon collègue Pascal Delval. Sarah, si tu peux Merci. faire le. Merci.
Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Donc, pour laisser faire la manipulation de transfert pendant ce temps-là, donc, je rappelle que vous pourrez poser l'ensemble de vos questions à la fin de ce webinaire. On a prévu une séance spéciale de questions-réponses qui, d'ailleurs, impactera aussi bien Jean-Philippe que Pascal. Pensez à noter toutes vos questions et on vous rendra la parole d'ici à peu près 45 minutes parce qu'on va essayer avec Pascal de tenir 45 pour avoir au moins 15 minutes de questions-réponses. Je ne doute pas qu'il y en aura d'autres. Merci pour cette présentation, Jean-Philippe. Et donc, Pascal, pardon, est de nouveau maintenant connecté sur sa présentation. Donc, Pascal, est-ce que tu peux nous dire pour les clients qui sont autour de ce webinaire, ce que pourrait apporter en complément à ce que nous a présenté Jean-Philippe, Cognos Analytics, et quelque part, quels seraient les usages complémentaires de cette solution? Ok, je vais venir sur la présentation. Je vais commencer par quelques slides pour repositionner, puisque vous êtes déjà un petit peu connaisseur de la solution de business intelligence de Cognos. Donc le terme aujourd'hui, c'est IBM Cognos Analytics. Donc on a élargi le spectre de la business intelligence pour aller vers la data visualisation. En fait, on est parti d'un constat. Il y a quelques temps, avec les plateformes un petit peu anciennes, on s'en rendait compte qu'il y a 90% des utilisateurs qui étaient souvent des utilisateurs assez près de boutons. Et qu'en fait, la création d'objets, je dirais, manipulables à travers la business intelligence était dédiée à 10% d'utilisateurs, soit qui sont des utilisateurs avancés, soit souvent à l'actif. Mais on a remarqué depuis quelques années que la forte demande de l'utilisateur, c'est d'être autonome. Lorsqu'on fait un rapport, généralement, hier encore, lorsqu'on faisait un rapport, on définissait le fond et la forme du rapport. Finalement, on le mettait en développement et on le mettait à disposition. Mais les utilisateurs aujourd'hui, ça leur suffit plus. Eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est pouvoir déjà interagir peut-être sur des rapports déjà qui ont été définis dans le fond et la forme. Et ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir la capacité de pouvoir intégrer de nouvelles données, soit des données locales qu'ils ont par exemple sur leur poste, soit s'analyser un certain nombre de fichiers, faire du reporting direct dessus, soit de croiser des données qui peuvent être des données corporate avec des données locales. Typiquement, si vous utilisez déjà la solution, vous avez déjà créé des vues métiers, donc ces vues métiers, elles sont créées par l'IT, elles sont, je dirais, gouvernées, elles sont fiabilisées, donc vous êtes sûr que ces données sont, je dirais, cohérentes et fiables. Et ce que cherche à faire l'utilisateur, c'est quand il y a un moment donné de croiser ces informations. Typiquement, un directeur marketing, par exemple, qui va pouvoir faire, c'est de se dire finalement, mes ventes, je les ai dans ma vue corporelle, je les ai dans mes bases de données d'entreprise, mais à un moment donné, je reçois peut-être des fichiers externes qui sont des fichiers que j'achète, et je vais avoir à un moment donné à me comparer, par exemple, en termes de part de marché par rapport à mes concurrents dans mon industrie. Donc, ils vont pouvoir eux-mêmes pouvoir intégrer ce type d'information. Donc, ça, c'est vraiment une demande de nos utilisateurs aujourd'hui, c'est l'agilité et la rapidité pour aller explorer de la donnée. Donc, on voit effectivement qu'il y a à peu près 30% d'explorateurs de données et on retrouve aussi d'autres profils un petit peu plus évolués, typiquement les data scientists aujourd'hui, mais qui sont des gens qui sont vraiment sur le côté, je dirais, statistique. Et qui sont des gens qui ont créé des algorithmes et ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ce constat, c'est que précédemment, on s'attaquait à des rapports statiques, des rapports interactifs ou des rapports personnalisés. On en définissait le fond et la forme. Maintenant, ce qu'on propose à l'utilisateur, c'est à partir d'une même source de données, de pouvoir faire ce qu'on appelle du dashboarding, du tableau de bord dynamique, où là, l'approche, elle est un petit peu comme ce que vous a présenté Jean-Philippe précédemment sur la partie interactivité, c'est que l'utilisateur va, je dirais, poser ses éléments au niveau du tableau de bord, et on va lui suggérer des choses. C'est-à-dire qu'on va lui dire, finalement, tu prends un indicateur, tu prends une dimension, on va te proposer tout de suite, par exemple, un histogramme. Et dès qu'on va ajouter peut-être un deuxième indicateur, eh bien là, on va lui proposer un graphique à double échelle. Même s'il peut revenir dessus, l'idée, c'est vraiment, je dirais, de guider l'utilisateur. C'est une expérience complètement personnalisée, et on va pousser l'utilisateur à découvrir des informations. Ce qu'on trouve aussi aujourd'hui, c'est la partie, ce qu'on appelle l'histoire, le storytelling. Donc là, c'est la capacité, vous verrez tout à l'heure, à partir d'objets existants dans votre reporting, je dirais de faire un petit peu comme on pourrait faire avec PowerPoint, des PowerPoint, je dirais, animés qui s'enchaîneraient, des sortes de vidéos, si vous voulez, qui intègrent des informations de manière complètement dynamique et qu'on va pouvoir dérouler de manière automatique. Alors, évidemment, les utilisateurs, ces fameux explorateurs de données, on va rester sur cette population-là, ils nous disent, c'est bien. Je peux injecter mes données, mais à un moment donné, il va falloir que je les croise, par exemple, avec mes données corporelles. Et c'est là où on a intégré la notion que vous voyez à droite de module de données. On va donner la possibilité à des utilisateurs métiers
qui connaissent à peu près leur modèle de données, qui ont besoin éventuellement d'utiliser de l'information en local, eh bien, tout simplement, de faire un début de modélisation, typiquement de joindre les informations, pour un moment donné, comme je disais tout à l'heure, pour ajouter par deux marchés qui viennent de l'extérieur avec mes propres données. Et puis, bien évidemment, dans la partie droite, on retrouve, comme vous le connaissiez précédemment, toute la partie modélisation de données classique avec Copilot. Alors, par contre, ce qui a guidé, en fait, la réécriture, je dirais, de l'interface, et de la solution Copilot Analytics, c'est vraiment un certain nombre de points. Le premier point, c'est l'interface utilisateur. Si vous connaissiez les solutions précédentes, en fait, l'interface utilisateur, pour les utilisateurs qui avaient la nécessité de créer des rapports, selon leur niveau de compétence, on leur proposait différentes, ce qu'on appelait des studios. Il y avait le Query Studio, il y avait le Report Studio, il y avait l'Analyse Studio. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a une interface utilisateur unique. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Cette interface, il est web et il fonctionne aussi en mobilité. Dans cette interface, on va pouvoir bien évidemment avoir les fonctions classiques. Donc, on va pouvoir consommer bien sûr du reporting, on va pouvoir faire de la découverte de données, dont je viens de parler. On va pouvoir faire du tableau de bord, du storytelling, de l'analyse ad hoc, du reporting, et aussi, bien évidemment, comme je viens d'exprimer, du chargement de données. Donc, ce qui est important de bien comprendre pour ceux qui avaient déjà nos solutions, c'est qu'aujourd'hui, il y a un seul interface utilisateur. Ce qui n'empêche pas, pour ceux qui auraient une problématique de migration, qui sont déjà clients, de pouvoir continuer à utiliser pendant un certain temps les anciennes interfaces. Pourquoi, je dirais, basculer tout de suite dans le mode Commons Analytics. Et je dirais, vous verrez que l'utilisateur, au fur et à mesure de l'utilisation de la partie Commons Analytics, il va inévitablement venir sur les nouveaux, sur le nouvel interface. Mais ça permet d'avoir une migration, je dirais, progressive avec ces différents utilisateurs. Deuxième aspect, le portail. Précédemment, le portail, c'était un portail, en fait, qui était souvent organisé à base d'onglets. Ici, on a vraiment voulu customiser le portail de façon à ce que lorsque l'utilisateur se connecte à travers ce portail, il y a vraiment une interactivité et le maximum de place, je dirais, pour présenter l'information. Vous verrez tout à l'heure, en fonction du déplacement de ma souris, bah, les fenêtres vont s'ouvrir, vont se fermer. Pourquoi? Parce qu'on cherche aussi à ce que ça soit accessible avec des terminaux type portable ou des terminaux type tablette, iPad et autres. Par contre, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter l'interface, je dirais, en mode standard. Mais là, ce qu'on a vraiment cherché à faire aussi, c'est à vraiment pouvoir le personnaliser. Donc, on pourra personnaliser absolument tout, que ce soit le login de l'utilisateur, la page d'accueil, les couleurs de thème, la navigation, ajouter ce qu'on appelle des extensions, vous en verrez quelques-unes tout à l'heure, ce qu'on appelle des liens rapides. Donc, vraiment, là, on a vraiment quelque chose qui permet de s'adapter complètement aux besoins de l'utilisateur, voire, bien évidemment, comme précédemment, pouvoir l'intégrer dans des portails de l'entreprise. Troisième aspect, troisième du milieu, le best-in-class reporting. Bon, là, je dirais que par rapport à ce que vous connaissez en termes de fonctionnalité, je dirais d'exploitation, les rapports interactifs, les rapports à la demande, les rapports en rafale, c'est-à-dire pouvoir dispatcher, je dirais, un rapport à différents profils d'utilisateurs en fonction de leurs droits, afin que chacun ait son rapport qui confirme, et faire ce genre de choses. On va pouvoir faire du rapport online et offline, avec la notion de active report. Et puis, bien évidemment, on va retrouver toujours les grandes fonctions, les abonnements rapports, enfin, on le verra tout à l'heure dans la présentation. Par contre, en termes de visualisation, le quatrième pavé, ben là, on a vraiment une évolution. C'est-à-dire que là, précédemment, on avait, je dirais, les grands standards du marché, un histogramme, camembert, ainsi de suite, courbe, colonne, et ainsi de suite. Bon, là, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et en plus, on a la capacité d'avoir de créer des visualisations. Pour ceux qui auraient vraiment des développeurs, on peut créer sa propre mode de représentation d'information. Là, ça nécessite quand même d'avoir des gens qui soient capables de développer. Et dernière partie qui a été intégrée, c'est la cartographie. Donc là, on a un partenariat avec Mapbox, une solution de cartographie en open source. C'est complètement sans aucun coût supplémentaire pour le client, et je vous montrerai tout à l'heure un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette solution. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est une solution qui évolue très très vite. Aujourd'hui, on propose des releases quasiment tous les 3 mois. Alors, ces releases, elles ont pour but d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ce ne sont pas uniquement des releases, je dirais, pour ajouter des bugs, mais c'est un peu l'idée. Mais c'est vraiment pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. On en a en gros, je dis, un trimestre, et à chaque fois, on ajoute de la fonctionnalité. Alors, si on revient sur les grands thèmes qu'on va aborder dans la démonstration qui va avoir lieu tout de suite derrière, on va retrouver bien évidemment la partie reporting. Alors, ce qui change effectivement par rapport à la version précédente, c'est que l'interface est complètement unifiée en mode web ou en mode mobile. C'est-à-dire que là, vraiment, si on a une tablette, on va pouvoir naviguer,
de la même façon comme si on était sur un PC avec des fenêtres interactives, vous allez voir tout à l'heure, et vous allez pouvoir faire vraiment la même chose. On a intégré aussi un module de recherche, un petit peu, on appelle la recherche plus pertinente, c'est un petit peu comme ce qu'a fait Jean-Philippe tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, vous verrez, bah, si je recherche de l'information, il suffit que je commence à remplir quelques mots-clés, et il va me faire des suggestions, il va dire, bah, c'est sûrement ça que tu veux, et à un moment donné, je vais avoir, ça va me permettre de récupérer mon information. Au niveau collaboration, bah, vous verrez tout à l'heure qu'on a la possibilité de faire des notifications à l'utilisateur, un certain nombre de choses, vraiment pour collaborer. On va pouvoir importer des données, comme j'ai dit tout à l'heure, des données qui seront par exemple en local, ce qui peut être du CSV, du Excel ou tout ce type de rapport. On va retrouver toutes les grandes fonctions de création de rapport, de dashboarding. Alors quand on parle de dashboarding là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est l'interactivité, le tableau de bord dynamique où l'on va guider l'utilisateur. C'est cette notion-là, hein. C'est pas la notion de tableau de bord où dans un rapport type papier, on va aller chercher de l'information un petit peu partout. C'est vraiment une notion de dynamique et de pousser l'utilisateur. La partie module de données, qui est la modélisation. Et évidemment, vous retrouverez exactement les mêmes fonctionnalités que vous aviez avant. Alors ça, c'est un point important. Je vais peut-être m'arrêter là-dessus pour l'instant. Un point important pour ceux qui seraient dans une phase de migration. Il n'y a aucun problème pour migrer à travers la solution. Vous pouvez récupérer vos rapports. Il n'y a aucun problème qu'ils aient été faits avec Google Studio, Google Studio, Google Report Studio. Il suffit juste de les transformer à un moment donné dans l'ancienne version pour pouvoir le récupérer. Bien évidemment, on va retrouver toutes les notions d'exploitation classiques, hein, les formats d'exportation, PDF, Excel et autres, ainsi de suite. Tout ce qui est planification, tout ce qui est diffusion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aussi pouvoir, je dirais, retravailler complètement l'interface de l'utilisateur. Alors là, ça va vraiment très très loin. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du thème, hein, je vous ai parlé de la page de login, je vous ai parlé des extensions, et c'est fait tout à l'heure une extension. Là, on peut vraiment, au niveau d'un utilisateur en particulier, si on veut vraiment être un tordu, on peut très bien dire pour tel utilisateur qu'il a le droit d'utiliser telle et telle petite fonction. Mais vraiment, vous pouvez customiser à l'utilisateur. Évidemment, quand on a 10 milliers d'utilisateurs, on essaye plutôt de faire des rôles, c'est-à-dire de définir un ensemble de critères communs à un groupe d'utilisateurs, sinon pour l'administrateur, ça peut devenir compliqué. Mais c'est intéressant de pouvoir le faire et sans aucun développement, surtout. Juste par défaut. L'intégration à des portails externes, alors là, ça a été complètement intégré, c'est-à-dire que tout à l'heure, si on n'y repart pas, dans la démonstration, vous verrez qu'à un moment donné, on peut récupérer directement le lien URL que l'on pouvait intégrer dans un portail externe, mais aussi on peut récupérer le contenu d'une iframe, qui nous permet aussi d'intégrer dans un développement externe. Et bien évidemment, dernière partie, intégration des données cartographiques. Donc je dirais sur cette partie reporting, ben, vous avez en gros, je dirais, les fonctionnalités que vous aviez en termes de représentation. Là, on a rien inventé de nouveau, si ce n'est que, effectivement, on a une nouvelle, on peut intégrer de la cartographie, on peut ajouter de nouveaux graphiques, mais je dirais que les fonctionnalités restent des fonctionnalités de business intelligence classique. Par contre, ce qu'on a intégré en plus, c'est ce qu'on appelle la partie dashboarding. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le dashboarding, c'est la deuxième notion, expérience guidée. Donc, ici, vous voyez, déjà, on va pouvoir s'appuyer sur plusieurs choses. On va pouvoir partir de fichiers. Donc, des fichiers, Excel, PNP qu'on va pouvoir loader par exemple. On va pouvoir s'appuyer sur des modules de données. Donc là, ce sont des mini-modélisations faites à partir d'objets déjà existants ou des données locales. On verra tout à l'heure ce à quoi c'est pas le cas. Donc ça permet de modéliser à travers le web. À partir de Package Framework Manager, donc les Package Framework Manager, pardon, c'est vous qui mettez. Et ce qui est important, c'est qu'on peut les mixer. Comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir s'appuyer sur un Package Framework Manager pour les récupérer des bibliothèques qui sont déjà définies au niveau de l'IT, fiabiliser, gouverner et autres, et on va pouvoir les mixer avec des fichiers, par exemple, locaux. Voilà, on sait faire ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment du drag and drop de contenu, et au fur et à mesure qu'on va ajouter de la donnée, eh ben, il va nous proposer les meilleures visualisations. Alors, si elles ne vous conviennent pas, vous pourrez revenir dessus, mais c'est vraiment l'utilisateur, à la limite, je dirais, qui prend un fichier qui lui arrive de l'extérieur, qui lui fournit par l'extérieur, il ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, il va le loader, il va prendre éventuellement les informations qui l'intéressent ou pas, sélectionner ces objets, et à partir de là, il va faire de la découverte de données. Bien évidemment, ces informations, on pourra les réintégrer dans du reporting classique. Et là, vraiment, l'idée, c'est l'expérience guidée, c'est du rafraîchissement dynamique. Donc ça, c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment un nouveau module qui est intégré au niveau de la solution. Et bien évidemment, pour supporter aussi ce type de solution, comme je l'ai dit, il nous faut un module de data code, donc qui va permettre aux utilisateurs de charger des données externes personnelles, et puis, à la limite, s'il a juste un fichier Excel, il va uploader et derrière, il va pouvoir faire son rapport, son tableau de bord, ou ses analyses. Mais s'il veut les croiser, il va avoir besoin de quoi?
du module du bas qui s'appelle le data module. Donc, vous voyez en bas à droite quelque chose qui ressemblerait à une modélisation. Bah, c'est vraiment le principe, c'est je vais prendre des informations, je vais complètement guider, je vais pouvoir choisir l'étape des colonnes qui m'intéressent, soit dans les modèles corporels, soit dans mon fichier, mes fichiers locaux. Je vais pouvoir filtrer un certain nombre de données, je vais pouvoir me créer des vues, créer des chemins de navigation, on y reviendra tout à l'heure, et puis je vais me créer de nouveaux modèles. Donc ça deviendra une nouvelle modélisation qui va pouvoir être mise à disposition, soit pour faire du reporting, soit pour faire du dashboard. Voilà un petit peu les grands, je dirais vraiment les grandes fonctions, et je préfère vous montrer la plateforme. Surtout qu'après, si on est pris par le temps. Et pour terminer, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut aussi faire du storytelling. Vous verrez tout à l'heure comment on peut récupérer les objets des existants et ajouter des annotations, que tout ça se déroule, je dirais, par exemple, sous forme de vidéo, par exemple. Et ça peut, par exemple, je ne sais pas, dans votre entreprise, vous avez peut-être à l'accueil un immense écran de télévision, je dirais, sur lequel on pourra faire dérouler toute la journée quand vos clients viennent. Bah, vous allez voir une animation tout à l'heure qui va présenter vos chiffres, qui va vous donner un petit peu vos éléments et ainsi de suite. Ou pour faire une présentation, par exemple, en direction générale. Voilà un petit peu les grands thèmes. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans la partie présentation sur Slack. Je préfère vous montrer le portail puisque certains d'entre vous, vous le connaissez déjà. Je vais essayer de vous donner un petit peu les différences. Alors, par contre, comparé à ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe, la partie CM1, pour moi, en fait, n'est qu'une source de données. Hein. Donc, je peux me connecter dessus. Et après, tout ce que je vais faire là, ce n'est pas obligatoirement sur du CM1. Donc là, évidemment, la solution, c'est de se connecter à l'équipe CM1 et là, vous récupérez directement vos cubes avec vos dimensions, vos indicateurs, vos hiérarchies, comme on le ferait sur d'autres solutions multidimensionnelles ou sur la base de données. Donc là, je me connecte au portail avec la page de login standard. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette page de login, elle peut être complètement personnalisée à travers ce qu'on appelle des thèmes. Donc je vais me connecter. Alors l'idée générale, c'est de laisser le maximum d'espace au sein du portail pour la visibilité. D'accord? Donc, si vous voyez à l'écran, bon, c'est une page de fond que j'ai créée. À partir de là, l'utilisateur va avoir accès à tout, en fonction des droits, bien évidemment. Mais là, je suis administrateur, donc j'ai accès à tout. Donc, l'utilisateur, il va voir quoi? Il a son espace qui est personnel. Son espace personnel va lui permettre de voir quoi? Bah, je dirais un petit peu ses planifications et ses abonnements qui ont été exécutés. Il va pouvoir, par exemple, au niveau de ses préférences, bah, choisir sa langue de travail, d'accord, la langue du produit, ou bien la langue du contenu dans un cadre. Vous auriez dans vos bases de données la possibilité d'aller chercher en fonction d'une langue, je dirais, le libellé, par exemple, d'un produit qui convient. C'est là où il va pouvoir choisir le format par défaut qu'il souhaite exécuter lorsqu'il demandera d'exécuter un rapport, ce qui n'empêchera pas. Au moment de l'exécution, il pourra choisir un autre rapport. Donc, vous voyez, dès que je vais cliquer sur un objet, tout de suite, ça se referme. Alors, ça, c'est vraiment les fonctionnalités sont faites pour que lorsque vous soyez sur une tablette, ça réagisse de la même façon. De la même façon ici, on pourrait par exemple avoir accès par exemple à sa boîte de réception. Et là, c'est là où on va pouvoir définir des tâches aux utilisateurs. Par exemple, ici, la vérification des ventes du mois. Donc, il y a un utilisateur qui a décliné à un certain nombre de destinataires un texte, en fait, un message. Messieurs, veuillez vérifier que vous avez réalisé vos engagements pour ce mois. On va lui donner un lien vers un rapport qui va lui permettre de regarder les ventes pour pouvoir les commenter. On va avoir un flux de commentaires entre ces différents interlocuteurs. Alors, pour l'instant, il n'y a personne, il n'y a que moi. Donc, on ne voit rien, mais ici, l'ensemble des gens qui participent à cette tâche-là vont pouvoir commenter et l'ensemble des utilisateurs vont pouvoir le voir. Et surtout aussi, on va retrouver des options de notification qui va permettre d'alerter les contributeurs, je dirais, lorsque, par exemple, un rapport a été démarré ou lorsqu'il y a un commentaire qui a été ajouté ou quand leur tâche a été annulée. Je dirais vraiment une gestion de notifications. Ces notifications, on va les retrouver ici. Si vous regardez ici, j'ai des notifications. Voilà, vérification des ventes du mois contre l'engagement. C'est-à-dire que quelqu'un m'a poussé une tâche à faire en cliquant ici. On lui dit, voilà, messieurs, veuillez vérifier, vous avez réalisé vos engagements. En cliquant ici, j'ouvrirai le rapport. D'accord? Je verrai ce qui se passe et je pourrai commenter. Donc voilà. Ici, sur cette partie-là, c'est vraiment ce qu'il y a à l'utilisateur. Sa liste de surveillance, c'est des objets où on signale en fonction d'un niveau et autres, ce genre de choses. Donc ici, une partie préférence pour l'utilisateur, ici une partie notification. Il y a un rapide, on y reviendra, parce que ce n'est pas en standard, c'est ce qu'on appelle des extensions. Ici, une fenêtre de navigation. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que ça permet, vous verrez tout à l'heure, au fur et à mesure de l'exécution de ce que je vais exécuter tout à l'heure, eh bien, ça va s'empiler.
C'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, exécuter deux, trois rapports et à un moment donné, revenir directement sur le premier rapport et repasser sur le troisième. Et instantanément, je dirai le cache, va me représenter cette information. Dans la partie gauche ici, vous étiez déjà utilisateur pour la plupart d'entre vous des anciennes versions. Bah, on fait plusieurs modes de navigation. Le mode de navigation classique, c'était j'ai des dossiers. Dans ces dossiers, j'ai des rapports. Et à un moment donné, sur un rapport, je vais vouloir l'exécuter. D'accord? Donc, je vais pouvoir l'exécuter. Je vais pouvoir l'éditer éventuellement si j'ai des droits de modification, par exemple. Je vais pouvoir afficher les versions puisqu'on retrouve les mêmes fonctionnalités que vous connaissiez. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, si vous êtes dans un mode d'intégration, vous pouvez récupérer les URL pour les copier, les coller et donner des liens via des extranets. Lorsque je vais exécuter ici, on va retrouver un petit peu les fonctions que vous avez l'habitude d'avoir. Donc là, en direct, le format, voire demande à exécuter en arrière-plan, d'accord? Maintenant ou plus tard. Ce que je peux faire aussi, c'est par exemple dans les propriétés ici, on va retrouver les notions de planification, une nouvelle planification, disons, je pousse rapport à partir de telle date jusqu'à fin de telle date, et puis l'avoir tous les premiers lundis du mois, dans les différents formats, le mode de diffusion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités en termes d'exécution. Donc, comme dans l'ancienne précédente mouture, je dirais, un utilisateur, il a le droit d'accéder à deux endroits. Contenu de l'équipe, c'est partagé par lui et par d'autres utilisateurs, et il peut aussi avoir son propre espace de travail, qu'on appelait avant l'espace personnel. Alors, vous remarquerez qu'ici, j'ai d'autres objets. Ce sont des extensions, ce sont des petits scripts extérieurs qui nous permettent d'avoir des accès rapides. On va y revenir par la suite. Alors, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir la possibilité d'accéder directement à l'information. Typiquement ici, dans les dossiers, il y a énormément de rapports, des objets, et ainsi de suite. Bah, je cherche quelque chose qui s'appellerait comme Great Ordnance, par exemple. Bah, vous voyez, au fur et à mesure que j'ajoute, il me fait des propositions. Donc, je tape Great Ordnance. Bon, je passe deux phrases, voilà. Puis je lui dis, bah, qu'est-ce que tu connais de Great Ordnance? Alors là, il me dit, bah, il y a plein de choses qui parlent de ça. Par contre, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est dire, bah, je vais filtrer parce que ce qui m'intéresse uniquement, c'est d'aller chercher un tableau de bord. Et ce tableau de bord, en cliquant ici, je vais pouvoir l'exécuter. Ce tableau de bord que je peux exécuter ici, bah, je l'ai mis au travers d'une extension. Imaginons que ce soit un tableau de bord que les utilisateurs ont l'habitude d'accéder souvent, bah, vous le remettez dans la partie gauche. Et lorsqu'ils vont cliquer ici, on va ouvrir un tableau de bord. Ce que vous allez voir là, c'est une première version, enfin, c'est pas une première version, c'est un premier rapport de type dashboarding. On va vite sortir de là. C'est juste pour vous montrer comment on peut rapidement, je dirais, accéder à l'information. Voilà. On viendra sur ces notions de dashboarding tout à l'heure. Et je vais revenir à ma page d'accueil en cliquant directement ici. D'ailleurs, vous pouvez remarquer ici que le tableau de bord est déjà dans le mode Jean-Pierre mis en report. Dans l'interface, on continue. Donc, dans l'interface, mon dossier personnel, mon dossier public. Ici, les récents, bon, comme son nom l'indique, en cliquant sur les récents, ça permet de retrouver plus rapidement les rapports que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'utilisais donc récemment. Dans la partie basse ici, on va avoir la partie administration. Donc là, c'est plutôt le côté administration de la solution. On va pouvoir gérer les comptes, qui sont les comptes, les utilisateurs, les licences, gérer les activités. On a un système de sauvegarde automatique de l'ensemble de la plateforme, sauvegarde restore, hein, donc on n'a plus besoin de faire des publish et ainsi de suite, c'est automatique. Connexion au serveur, personnalisation, c'est pour vraiment personnaliser, comme je disais tout à l'heure, les thèmes, les portails et ces fameuses extensions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis la console d'administration, bah la console classique que vous aviez l'habitude d'avoir côté IT. Alors, on peut faire plein de choses dans la solution. On peut, par exemple aussi, à travers des extensions, par exemple, intégrer, vous voyez, des vidéos. Là, par exemple, ici, j'intègre une vidéo qui s'exécute. Donc ça, c'est vraiment très simple à faire. Vous voyez, quand je regarde ici, c'est empilé. Enfin, si je veux la fermer, hop, je la ferme, termine. Je reviens ici sur la page d'accueil. Tout à l'heure, Jean-Philippe vous a présenté une application Panic. Bon, j'en ai pas lancé ici, mais ici, j'ai créé une petite extension qui me permettrait, pour un utilisateur qui serait, par exemple, à la finance, d'avoir dans le même portail, je dirais à la fois le côté que vous avez vu tout à l'heure avec Jean-Philippe et sa notion de livre, hein, que vous aviez au niveau de planning analytics, et l'afficher à l'intérieur de l'espace de travail. D'accord? Donc, vous avez à la fois la partie saisie, et puis vous aurez aussi la partie reporting à travers un seul et unique interface. Et puis, dernière partie ici. Donc là, je fais un petit peu le tour, je dirais, de l'espace de travail. Ici, vous allez retrouver quoi? Bah, pour ceux qui ont des droits de création, bien évidemment, pas pour les consommateurs, mais pour ceux qui ont un certain nombre de droits, la possibilité de créer des rapports, d'accord? Des tableaux de bord, donc interactifs, dynamiques, un petit peu comme celui que vous venez de voir précédemment, de créer des histoires, de créer des modules de données.
une modélisation, et aussi pour ceux qui sont anciens clients, vous voyez, possibilité d'ajouter une petite fonction qui me permet d'accéder aux anciens clients. Donc ça, c'est pour cette notion de migration dont je parlais tout à l'heure, pour les utilisateurs qui voudraient prendre un petit peu de temps avant d'utiliser la nouvelle version. Le téléchargement des fichiers, bon, ça c'est assez simple, on le verra tout à l'heure, et la partie travail. Voilà pour l'espace de travail. Donc, tout va s'exécuter au centre de la page. Alors, en termes de reporting, on va dresser trois types de reporting. Ben, les reporting que vous avez l'habitude d'avoir avec la business intelligence, ça ressemble à ça. Je vais prendre par exemple ici. Alors là, j'ai encore une petite extension qui me permet de vous exécuter un rapport. Donc, vous allez voir, par rapport à l'ancien portail, où effectivement, on avait souvent des notions d'onglets, on prenait beaucoup d'espace pour afficher plein de choses qui ne servaient pas à grand-chose, je dirais. Ben, là, vous voyez, on minimise les fenêtres de façon à afficher un maximum de donner un minimum de maximum pardon de visibilité sur le rapport. Alors cette interface en plus elle est je dirais à utilisation graduelle, c'est-à-dire qu'ici par exemple ce rapport on en a défini fond et la forme, donc c'est un rapport tel que vous avez l'habitude je pense de les voir avec des filtres hein. Par exemple ici je vais choisir un responsable d'équipe hein. C'est un responsable d'équipe avec son équipe de commerciaux, voilà, donc je vais filtrer. Et puis éventuellement, je pourrais filtrer sur le « moi », je dirais que c'est de la BI business intelligence classique. Maintenant, en fonction des droits qu'on va donner à l'utilisateur et en fonction de l'objet sur lequel il va cliquer, on va lui proposer de nouvelles fonctionnalités, en fonction, bien évidemment, toujours des droits qu'on peut lui accorder. Par exemple, ici, je suis responsable d'une équipe, et puis dans cette équipe, j'ai deux commerciaux, Alexandre Pereira et Eduardo Guimarães, là, qui sont des jeunes commerciaux. Voilà. Donc le rapport a été défini dans son fond et sa forme, et vous voyez ici, en fonction de l'endroit où je clique, je vais avoir plus ou moins d'objets un petit peu que vous aviez vu tout à l'heure sur la partie planning analytics, qui va me permettre par exemple de dire, bah, ce tableau de bord, il m'intéresserait, mais je voudrais juste avoir ce tableau de bord pour ces deux-là. C'est-à-dire qu'il va mieux exécuter en live, mais je l'ai vraiment pour ces deux-là. D'ailleurs, si je voulais voir quel est le fichier qui est appliqué, il suffit de cliquer ici. D'accord? Ce qui veut dire que maintenant, ce rapport, je pourrais à n'importe quel moment l'enregistrer et lui donner un nouveau nom. Donc, ça deviendrait mon nouveau rapport. J'en ai pas modifié le fond et la forme, je pourrais le réexécuter donc avec les filtres, ou je pourrais à n'importe quel moment dire bah finalement les filtres ici ne m'intéressent plus, j'en reviens là et j'en reviens dans mon mode d'exécution tout rapport. Donc ça c'est le premier niveau, je dirais, où l'utilisateur peut interagir. Vous voyez, c'est vraiment dynamique en fonction d'où je clique. Donc ça c'est le premier type de rapport, donc c'est la BI classique, hein. C'est vos rapports finalement qu'on a portés dans la nouvelle interface. Maintenant aussi, ce qu'on peut proposer, c'est des notions, ce qu'on appelait les active reports. Alors, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, c'est une notion un petit peu qui est déjà connue. Les active reports, ben, c'est quoi? C'est un petit peu des tableaux de bord qui sont dynamiques et qui peuvent être en mode déconnecté. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran, c'est quelque chose de complètement autonome. Pourrait vous donner en tant que tel, vous le mettez dans un navigateur, ce que vous voulez faire, vous pourriez le faire. Donc, c'est un petit peu faire un cockpit qui arrête. L'exemple ici, c'est un analyse financier sur la gestion de l'immobilier. Donc, il va avoir ces petits boutons qui vont lui permettre de naviguer. Et là, on est complètement dans l'interactivité. Donc, c'est pour vous montrer aussi différents types de nouvelles représentations. Ici, on va être en dynamique. Là, dès que je vais cliquer, ça va évidemment bouger. Ce qui est important de comprendre là, c'est que ce sont des rapports qui sont en mode déconnecté. Les utilisateurs, tous ces utilisateurs, ils peuvent les regarder à travers un navigateur, mais ils pourraient aussi le regarder à travers une app, par exemple, une app sur Apple, par exemple. Alors, avec ça, on peut faire un petit peu ces différents types de représentations. Si pour ici, on va filtrer par plutôt les bureaux, hein, et puis, au fur et à mesure, le rapport va se mettre à jour. Encore un autre exemple ici, où je vais choisir, par exemple, uniquement, on va prendre plutôt les numéros 1, voilà, l'interactivité. Donc, ça, c'est plus pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en termes de graphique aujourd'hui. Donc, on a vu les rapports, je dirais, classiques, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, avec son exécution. Ce que je ne vous ai pas montré, par contre, précédemment, je vais revenir, vous voyez, ici, je vais revenir sur le panel manager. Bien évidemment, je vais vous montrer qu'à n'importe quel moment, même quand j'aurai filtré mes deux commerciaux comme tout à l'heure, si j'ai exécuté ce PDF, je vais l'avoir aussi de la même façon que vous aviez l'habitude de l'avoir. Hein. Je peux vraiment le récupérer dans les différents formats. Et vous voyez ici, vous avez vraiment la possibilité, hop, je ferme les différents complets. Alors, je vais le faire un petit peu, voilà, il y a vite, je vais fermer. Donc ça, je dirais que c'est un peu le reporting classique tel qu'on le connaît.
Maintenant, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc cette partie dashboarding. Alors, la partie dashboarding, c'est quoi? Je vais vous montrer un exemple que j'ai créé à partir de données de la SNCF. Alors, ça tombe très bien aujourd'hui, puisque c'est un tableau de bord sur la régularité des TGV, des intercités, des transilien. Alors, j'ai pas pu avoir les données du jour, hein, je m'excuse. Donc, c'est données open data. Donc, je me suis tout simplement, j'ai pris ces données et je les ai intégrées, vous verrez tout à l'heure, dans un data module et je les ai exploitées. Alors là, vous pourriez me dire, bah ça, finalement, c'est un tableau de bord que je pourrais faire sur un papier. Oui, tout à fait. Sauf qu'ici, vous êtes complètement interactif. Vous donnez ce rapport-là à un utilisateur. Je prends par exemple ici tableau de bord habilité sur le TGV, en l'occurrence. Bien, je vais avoir des filtres qui vont permettre, ici, par exemple, de pouvoir dynamiquement choisir. Je ne sais pas si ça se voit bien. Oui, ça a l'air de bien s'exécuter. Voilà, ici, c'est dynamique. Je choisis une année. Si je veux enlever cette année, il suffit que je clique ici. Ce que je viens de faire au niveau de filtre en haut, je peux le faire n'importe où, sur n'importe quel graphique. Évidemment, certains graphiques peuvent être synchronisés ou non synchronisés, c'est votre choix. Par exemple, ici, je suis en train de regarder la régularité, je me dis, bah, finalement, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt la dernière année, l'année 2016. Il suffit que je vienne ici. Vous avez vu, j'ai cliqué sur 2016, il m'a mis en évidence le graphique 2016, il m'a recalculé au-dessus l'ensemble des indicateurs avec les TGV programmés qui ont circulé, les annulés en retard à l'arrivée. Vous avez vu le filtre là-haut qui s'est automatiquement positionné sur 2007. D'accord? Si je veux revenir, alors j'ai pas des données partout, hein. Si je veux revenir au niveau global, il suffit de cliquer n'importe où au niveau du graphique. De la même façon, si je voulais faire un focus, par exemple, en disant, bah, je vais regarder uniquement par région, automatiquement, je vais avoir le taux de régularité uniquement sur la ligne par région, avec le nombre d'annulés et à droite, la même chose. Alors, vous voyez qu'en termes de représentation, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Je reviens initialement ici. Donc, ici, c'est la notion de tableau à partir de mots. Hein. Donc, là, on voit qu'effectivement, c'est plutôt Marseille-Saint-Charles, Lyon-Part-Dieu qui vit écrit souvent en retard. Donc, là, c'est sur 3 années. Hein. Mais bien évidemment, rien ne m'empêcherait ici de dire, on va prendre plutôt l'axe, allez, on va prendre l'est. On va prendre l'axe TGV est. Et là, tout ça va dynamiquement se filtrer. Et de la même façon, je peux prendre un élément. Dire encore une fois, si je veux uniquement sur 2016. Vous voyez, c'est complètement, complètement dynamique. Donc, en termes de représentation, on peut vraiment faire un petit peu sur tout ce qu'on veut. On peut vraiment donner une représentation un petit peu vraiment comme on le souhaite, hein, vraiment jouer sur les objets. Donc, on dit par exemple ici, on regarde uniquement les TER pour la région Bretagne. Alors, j'espère que c'est dynamique chez vous. Vous voyez bien comment ça se propage, je dirais. D'accord? Donc, là, j'ai cliqué sur un élément. Oui, Pascal. Alors, Pascal, juste pour information, donc tout est dynamique et tout est fluide. Ah, bon, c'est bien. Parce que j'avais peur qu'avec le web, des fois, c'est un peu. D'accord? Donc, je continue. Bon, je ne vais pas vous en montrer 50, juste pour vous montrer un petit peu. Donc, ça, en fait, vous allez voir tout à l'heure comment j'ai pu faire ça. En fait, c'est que j'ai pris des fichiers Excel, je les ai loadés, j'ai fait un data module derrière, comme j'ai mis encore. Et je vais vous montrer tout de suite un petit peu, dans un premier temps, très rapidement, et puis après, on fera un petit peu ce qui est un petit peu plus évolué. Donc, encore une fois ici, hein, je vais par exemple regarder sur Paris-Est. Voilà. Donc, le Transilien, c'est uniquement le Transilien sur 2017. Voilà. Je pourrais choisir plusieurs éléments. Hein. Je pourrais prendre Paris-Est et Paris-Nord-Crépy. Je ne sais pas si ça a vraiment un sens. Mais voilà. C'est complètement dynamique. Il suffit de redéfinir l'un des objets pour que tout de suite ça se recalcule. Alors, les objets peuvent être, comme je disais tout à l'heure, là, si volontairement synchronisé tout ça, ils pourraient ne pas être synchronisés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certains objets qui ne bougent pas. Donc, j'ai gardé un espace hybride. Hein, parce qu'ici, je vais pouvoir créer des onglets. Je vais juste vous montrer rapidement comment ça procède et on en fera un tout à l'heure si vous voulez. Donc, je me suis pris un modèle tout simple et puis je dis, en fait, ici, je veux savoir un peu tout simple pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Ben, je vais demander à modifier cette information. C'est-à-dire, je vais choisir mes objets, je cherche à. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon module que j'ai appelé Data Module Transport? Donc là, c'est ma modélisation, d'accord? Là-dedans, je vais avoir des informations sur les TGV. Donc, on retrouve effectivement nos éléments. J'ai aussi la même chose sur les TER. On verra tout à l'heure que j'ai ajouté un petit fichier qui s'appelle GAR TGV départ. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout à l'heure que je vais vous ajouter une notion de latitude et longitude pour pouvoir positionner les GAR sur une carte. Il n'existait pas sur ce fichier initial de TGV. Donc, j'ai tout simplement uploadé, j'ai été chercher le longitude de latitude, j'ai uploadé, je l'ai géré loin. Et vous verrez tout à l'heure ce qu'on peut en faire. Donc, ce qui est intéressant, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je ne sais pas ce que je veux. Hein. Enfin, je ne veux pas définir le point d'attente. Finalement, je vais explorer mes données. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, par exemple,
Je me disais, tiens, ce qui m'intéresserait, c'est de voir un petit peu pour les années. Bah, les TGV programmés et les TGV annulés. Il suffit que je dise l'objet au milieu et lui, il se débrouille par lui-même. Il va me chercher la meilleure représentation possible. Voilà, il m'a fait une représentation, il me convient ou pas. Alors évidemment, après, je peux changer les couleurs, changer l'équipe, ne pas avoir la légende et autres. Mais je peux continuer à travailler. C'est-à-dire qu'en cliquant sur l'objet qui est là, d'accord, je vais pouvoir dire, par exemple, confiner ma sélection en disant, par exemple, ici, bah, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir par les gares. Donc, par les gares, pourquoi pas. Les gares. Donc, ici, je vais prendre les gares et je vais lui demander de le répéter. C'est-à-dire comme ça, je vais l'avoir dans les différentes gares. Voilà. Alors, j'ai toutes mes gares. Donc, là, ça fait un petit peu trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique dans ma notion de gare, je vais regrouper. De façon à pouvoir, ici, pardon, voilà. Hop là, voilà, ici, voilà, comme ça, ici. Je vais prendre mon gare, qui va me permettre par exemple de filtrer. Parce qu'en fait, dans les villes, on a souvent plusieurs gares. Donc, en l'occurrence, ici, je vais prendre Paris, ici, dans les gares parisiennes. Voilà. Et je vais avoir mon graphique avec moins de choses, évidemment, à l'écran. Alors, bien évidemment, je pourrais sélectionner une par une et ainsi de suite. Et voilà. Et donc, j'ai mon nombre de TGV programmés, mon nombre de TGV annulés, et pour les différentes gares, ça paraît bien. Donc l'idée là, c'est vraiment de pouvoir, je dirais, complètement, dynamiquement, découvrir ces données. Alors, ce que je vais faire, j'ai pris un modèle, donc pour l'instant, je vais prendre cet élément et je vais le glisser en bord. En fait, il y a deux parties dans mon tableau de bord. D'accord? Ici, je vais baisser mon filtre, éventuellement, je vais supprimer, on verra. Ici, pourquoi pas. On va rester comme ça. Pour montrer notre navigation. Je vais prendre l'élément de façon à le centrer. Voilà. Voilà. Et je vais enregistrer mon tableau de bord. Vous pouvez le laisser comme ça. D'accord? Et maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle le data module. Le data module, en fait, c'est le module qui m'a permis de modéliser mes informations. Donc là, vous avez vu, j'ai une notion de période et j'ai mes régularités de TGV. Imaginons maintenant que je dois y ajouter de la nouvelle donnée. Pour faire ça, c'est nouveau. Télécharger les fichiers et je vais chercher un nouveau fichier pour les gares d'arrivée TGV. D'accord? Donc en gros, ça upload le fichier, il va me l'afficher derrière, je l'uploader, voilà. Donc là, il va me présenter les éléments qui constituent ce fichier. Et éventuellement, je ne suis pas obligé de prendre l'ensemble des éléments. Hein. Je ne veux pas tout prendre, mais là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la gare, la latitude, longitude. La ville va me permettre de, je dirais tout à l'heure, de me repositionner au niveau de la cartographie, je retourne. Voilà, je vais mon fichier. Maintenant, je vais utiliser mon fameux data module dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour ça, je vais aller dans mon dossier qui s'appelle API Transport, je vais prendre mon data module transport ici. Alors, première chose que je voudrais faire, c'est dire, bah, finalement, ce qui m'intéresserait, c'est par exemple d'ajouter la latitude et la longitude pour la cartographie et pour le gare d'arrivée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller intégrer une nouvelle donnée. Je viens dans l'onglet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur le petit ici. Et je vais aller prendre mon fichier téléchargé que je viens de prendre précédemment. Ici, par le module de recherche, je vais rechercher arrivée. Je vais me dire en dessous. Alors, j'en ai plusieurs qui sont dans différents dossiers, donc je pense que ça doit être le dernier. OK. Terminé. Voilà. Ah, donc, évidemment, ce n'est pas le bon. On va tenir que ce soit le bon. Supprimer. Donc, je vais rajouter. Fichier téléchargé, ça devrait être celui-là, donc ça devrait être autre. Chargé, ça peut être plus beau, pardon, je pense que ça devrait être celui-là. Donc voilà, effectivement, donc vous voyez ici, il a bien retrouvé les différents éléments. Si je regarde la modélisation actuellement, voilà ce que j'ai dans ma modélisation. J'ai le fichier de période, donc c'est la petite modélisation qui m'a permis de faire le tableau de bord que vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, je dis, bah, ce qui m'intéresserait, c'est d'ajouter des gares TGV. Il suffit de glisser l'élément ici. Vous retrouvez à l'intérieur les différents éléments. Sur chacun des éléments, vous pourriez ajouter des calculs, vous pourriez créer des relations, gérer des filtres, et ainsi de suite. Donc là, je vais faire quand même assez court. Et je vais dire, par exemple, ici, les gares de TGV, bah, je vais les joindre à travers une relation. Voilà. Donc, c'est les gares d'arrivée. Ce qui m'intéresse, c'est la gare d'arrivée. Je vais dire, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de fichier. C'était le TGV par contre,
moi avait très bien varié, ici, et je vais faire une relation directement. Donc là, je suis carrément en train de créer une relation. Je vais prendre ma garde arrivée, ici, et je vais la joindre avec ma garde, simplement. Je vais demander à mettre en correspondance les données, à m'actualiser les informations de façon à valider que ma relation est bonne. Et si sur, voilà, j'ai fait une relation par rapport à ça. Alors là, je suis sur un modèle complètement SNCF, TGD. Et j'ai eu l'occasion dans une autre, d'utiliser des données de l'INSEE. Les données de l'INSEE n'ont rien à voir. Elles vont juste des notions de communes. Et dans ces communes, bah, on a des régions, des départements, et on a de la population. Imaginons que je vais exporter ces informations. Bah, comme tout à l'heure, je vais pouvoir ici aller chercher une autre source de données. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les sources de données, ça peut être soit des modèles corporels, d'accord, des packages, des sous-traitants managers, des ensembles de données, des fichiers téléchargés, c'est ce que je viens de faire. Mais là, je vais pouvoir m'appuyer sur un module de données que j'avais déjà créé dans un contexte complètement différent. Voilà, module de données. Pascal, pour ton information, Pascal, encore 5 minutes maxi. D'accord, ok, bah, ça va aller. Okay. Module de données INSEE, terminé. Je l'intègre, je le mets ici. Donc, qu'est-ce que j'ai intégré? En fait, plein de choses. Vous voyez, les informations sur les communes. Donc, je vais avoir plein de choses sur les communes. D'accord? Je vais avoir des infrastructures. Hein. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Et par exemple, ici, ce qui peut m'intéresser, c'est de joindre la notion de TGD avec la notion de commune. Vous allez voir à quoi ça sert. Et créer la relation. Donc, je vais créer la relation entre le TGD. On va faire ça par rapport à la gare de départ. Oui, garde au départ, et je vais croiser ça avec la commune. Voilà. Ok, donc comme tout à l'heure, hop là, j'actualise. Ok, ça fonctionne, j'enregistre. Maintenant, le data module, j'enregistre. Car j'ai fait des modifications, donc j'ai injecté ma nouvelle donnée qui était locale, et puis je me suis appuyé sur un autre modèle, et j'ai fait une relation entre ces objets. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici dans le tableau de bord transport. D'accord? Ce tableau de bord, bah évidemment, j'ai de nouveaux éléments, donc je vais une fois de plus le relier, c'est-à-dire au data module, puisque je viens de le modifier. Voilà, donc normalement, si tout va bien, je vais retrouver les informations, puisque j'ai pas, j'ai ajouté deux nouveaux éléments. Je prends bien ici. Voilà, bon, là, il y a des fichiers qui s'appliquent, c'est pas grave. Okay. Et là maintenant, par exemple, pouvoir utiliser de la cartographie. Donc, pour faire de la cartographie, alors je peux ajouter des représentations différentes et autres, juste pour terminer ici. Je dois prendre. Allez, voilà, je vais prendre la cartographie. Je prends ma carte ici et je la glisse au milieu. Donc, en cliquant sur. En mettant directement sur le petit icône bleu au milieu, il va automatiquement me recharger l'information. D'accord? Et maintenant, je vais ajouter mes éléments. Donc ici, je vais pouvoir dire, par exemple, et la première chose que je vais faire dans ma cartographie, je vais ajouter, par exemple, mes cartes, la latitude et ma longitude. D'accord? Donc, je vais les glisser ici. Donc, je donne juste l'information. À partir de là, si tout va bien, mes cartes vont être positionnées sur la France. Voilà, très bien. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est quand même de visualiser le nom de la gare. Donc, je vais prendre ici et je vais glisser. Ce qui permet ici d'avoir le nom de la gare qui va apparaître ici. D'accord? Et maintenant, je vais aller chercher mes indicateurs. Donc là, je suis en train de croiser mon fichier Excel avec ce que j'avais déjà à l'intérieur. En disant, par exemple, bah, je vais prendre les trains programmés et les trains annulés. En les prenant, comme tout à l'heure, bah, il vient de faire des suggestions, il vient de le positionner. Voilà, il les a positionnés. Maintenant, rien ne m'empêche ici de croiser ça avec mes données aussi. En disant, par exemple, bah, par exemple ici, je vais prendre les communes, je vais prendre mes régions. Voilà, je vais prendre mes régions que je dis ici. Voilà, puis je prends par exemple la notion de population. Voilà. Alors, on va voir pourquoi tout à l'heure, ça serait pour le zoom. Voilà, puis ici, j'ai ma population. Là, vous pourriez me dire ici, effectivement, la France, elle est toute petite. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ce modèle unité, en fait, ici, il est écrit en France, on a la métropole et hors métropole. Donc, lui, il a trouvé des éléments sur hors métropole, il passe par juste, il passe ici. Voilà, que je veux uniquement métropole pour qu'il fasse un double sur la France, parce que je n'ai que les gardes de France. Voilà. Je vais prendre métropole et sur le.
Ouais, ça parle à vous, donc c'est pas simple. Voilà. Et voilà. Et là, en fait, ce que j'ai créé deux couches qui vont me permettre de dire, bah, je veux avoir une vision uniquement sur la notion d'attitude d'amplitude, tous les deux, uniquement la notion de réagir. Voilà un petit peu pour la notion de tableau de bord. Pour terminer, juste 2 minutes encore, si tu me permets, juste 2 minutes pour terminer, parce qu'on appelle le storytelling. Bah, le storytelling, c'est en fait la capacité d'utiliser des choses qui existent déjà au niveau du reporting et de pouvoir, par exemple, faire ce genre de choses. Donc quelque chose de complètement dynamique que l'on constitue à partir de différents objets. Alors là, j'ai pas eu le temps, mais en fait, les objets qui vous y apparaissent tout à l'heure, on aura pu les épingler, c'est-à-dire les mettre de côté pour pouvoir les réutiliser dans ce storytelling. Et vous allez voir, ici, c'est complètement dynamique. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ça s'exécute au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Les objets vont apparaître au fur et à mesure. Voilà. Alors que l'intérêt, c'est que vous pouvez ajouter des annotations. Vous voyez, là, par exemple, la période de travaux du test est avancée d'un mois. Et là, je ne fais rien absolument. Vous voyez en bas une timeline qui s'exécute. Vous voyez à droite apparaître dynamiquement une coche de sélection, comme tout à l'heure, j'avais en interactif. Sauf que là, je ne touche plus du tout à l'écran. Hein. Il s'exécute dynamiquement. Là, je suis en train de faire un site sur Atlantique, je ne touche à rien. Hein. Enfin, vous ne voyez pas, mais Jean-Philippe peut vous le garantir. Je viens de passer sur l'est, je viens de passer sur le nord. Voilà. Comme ça, on peut faire vraiment un petit peu ce qu'on veut. On fait ce qu'on appelle des scènes. Donc, des scènes qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Ils vont être complètement dynamiques, dans lequel vous pouvez même faire de l'action au détail. Typiquement ici, regardez, c'est le taux de pontualité des TGV. Je vais me positionner ici en mai 2016, région Est. On dit droit Paris. Voilà, ici. Et j'ai demandé à avoir l'accès au détail. Donc je suis sur mai S 2016, accès au détail. Bon, là, il y a un petit problème. En fait, ici, tout simplement, de toute façon, une démo, ça prend toujours un moment donné. En fait, ici, derrière, vous lanciez un rapport qui vous filtrait directement par rapport aux données. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de récupérer des informations de détail. Donc vous avez du tableau de bord dynamique, c'est ce qu'on vient de voir, qui va vous permettre, en cliquant sur n'importe quel objet, de filtrer complètement dynamiquement et d'explorer la donnée. Et à un moment donné, bah, si on a besoin d'avoir l'information en détail par du reporting classique, que vous connaissiez, eh bien, on peut le faire. Donc, juste pour terminer, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que cette interface, elle a complètement été revue. Elle a été revue pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, pour faciliter la navigation, pour un espace de travail complètement personnalisable, disponible en web ou en mobile, en mobile, pardon. Mais vous retrouvez typiquement les mêmes fonctionnalités que vous aviez précédemment, mais avec de nouvelles interfaces. Voilà, j'étais un petit peu.